Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre émission Le Grand Canal. Bonsoir, chers tous. Ce soir, nous parlerons de l'emploi, le Bénin en emploi. Quelles sont les offres d'emploi, les secteurs qui recrutent, comment on recrute, comment se comporte, en gros, le marché du travail chez nous. Vous savez, les chiffres officiels montrent un chômage relativement faible, mais attention, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, car le marché de l'emploi reste dominé par des emplois précaires, sans oublier ce phénomène du sous-emploi. Titulaire de master, mais tenancier de kiosque de Mobile Money ou administrateur de groupe WhatsApp. Nous allons interroger ce soir la politique nationale de l'emploi, mais aussi les différentes initiatives publiques en matière de promotion de l'emploi. Qui parle d'emploi, parle sans doute aussi de la sécurité de l'emploi. Mesdames, Messieurs, nos discussions ce soir porteront sur les visages de l'emploi au Bénin. Mais j'espère, moi, allons nous entretenir avec deux responsables des initiatives gouvernementales en matière de promotion de l'emploi. Il s'agit de Charlemagne Lokosou, coordonnateur du programme spécial d'insertion dans l'emploi, PSI. Bonsoir, Monsieur Lokosou, et merci d'avoir accepté notre invitation. Urbain Amengbedji, il est directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. Bonsoir. Bonsoir. La belle lurette. Comment on se retrouve. Cette émission sera également une occasion de partage d'expériences avec des jeunes entrepreneurs présents dans le public en compagnie, bien évidemment, des aspirants de Masterclass MC International. Bonsoir et merci d'être toujours fidèle à Canal 3. Dans la rubrique « Nos stars, nos légendes », deux invités de marque, deux chefs d'entreprise. Le premier à nom, Amos Amour, avocat PDG de BFTSA et administrateur du consortium Bénin FinTech pour un partage d'expérience. Notre deuxième invité est aussi un chef d'entreprise qui opère dans le secteur touristique, mais il est plus connu sous sa casquette de magicien. Je sais, vous devinez déjà de qui il peut s'agir. Il fait partie, comme Amos Amour, que j'annonçais tantôt, de ces jeunes Béninois qui contribuent à révéler leur pays, le Bénin. Thibaut Adotanou, alias Thibaut le magicien, revient d'une tournée en Europe et sera sur ce plateau pour un moment de détente. Mais voilà pour le menu du jour. N'oubliez pas nos amis de Jésus Comedy Club, Polycarp et Abel qui seront là également pour nous proposer un tableau sur la question du jour, le Bénin en emploi. Bonsoir chez Esper. Bonsoir. Alpha Fayon, Michel Chanou, bonsoir, François Oudo, Franck Erevo. Bonsoir. Et mon ami de l'Ouest, c'est ça Connais Yad. Bonsoir. Bonsoir André. Aujourd'hui, on n'a pas eu la seule poule de notre basse-cour. Elle a eu un empêchement. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. J'ai envie, pour commencer, que nous fassions un peu de pédagogie. Nous avons d'ailleurs un enseignant sur ce plateau, parce que lorsqu'on évoque la question de l'emploi, vous savez, les gens en parlent sans réellement maîtriser son contenu. Je veux qu'on définisse, qu'on clarifie certains concepts. Raphaël Fayon, je ne fais pas exprès, hein, vous êtes enseignant. On va définir l'emploi, le travail, l'employabilité, la différence entre travail et emploi. Selon vous, c'est quoi l'emploi? On n'est pas en salle de classe. Hein, pour parler d'emploi, il faut nécessairement réunir trois vocables. Le premier, j'ai oublié de le dire, selon le petit Larousse. C'est utile hein, de préciser la source. Parce que, selon le petit Larousse. Parce qu'on nous accuse de plagiat. Je vais citer donc le petit Larousse et je citerai ensuite la politique nationale de l'emploi. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a préparé des fiches en bon enseignant. Merci. Merci pour le constat. Donc, selon le petit Larousse, pour parler d'emploi, il faut nécessairement qu'il y ait d'abord une profession, ou si vous préférez, une activité professionnelle. Il faut ensuite qu'il y ait l'exercice de cette profession, de cette activité professionnelle. Il faut la pratique. Et le troisième élément, c'est bien sûr la rémunération. Donc, selon le petit Larousse, on peut parler d'emploi lorsque l'on fait allusion à l'exercice d'une profession rémunérée. Voilà. Qui veut compléter sa définition?
Personne n'a eu le réflexe d'aller checker sur Wikipédia. Moi, je veux juste compléter un aspect. C'est une activité rémunérée au profit d'une entreprise, bien d'une administration, mais souvent régie par un contrat. Je peux dire régie ou non par un contrat, parce qu'on voit les deux volets. Ouais. C'est ce que je peux, l'aspect que je peux ajouter. Il y a un aspect important que je voudrais ajouter, à savoir que quand on parle de rémunération, ça peut être un salaire ou un traitement, comme dans la fonction publique, comme ça peut être dans le privé. Tout à fait. Et quand on parle de privé, ça peut être peut-être un consultant indépendant, pour ne pas donner l'impression que l'emploi, un peu comme on l'observe généralement, n'est lié qu'à la fonction publique, par exemple. Je vous informe que nous avons deux surveillants généraux sur ce plateau, deux responsables d'initiatives publiques en matière de promotion de l'emploi, et qui nous suivent, et qui peut-être vont nous noter tout à l'heure. Certainement. Alors, c'est quoi le travail? Ah, mais Colis. Ah, il n'a rien à dire. OK, le travail donc. Mais avant de parler du travail, je voudrais dire un peu ce qu'on peut tirer de la politique nationale en matière d'emploi. Ouais. Selon la politique nationale de l'emploi, une définition qui a été retenue et qui m'a beaucoup plu, en dehors des compléments qui ont été apportés tout à l'heure et qui sont très importants. Et l'emploi, c'est un facteur de croissance économique. Et le second volet, c'est que l'emploi permet d'aller à la redistribution des revenus. Ce qui chose montre que lorsqu'il y a un employé, il y a un employeur, comme ça a été souligné tout à l'heure. Et lorsqu'il y a une relation de travail, ben, il faut qu'il y ait la récompense du travail qui a été fait. Alors, pour parler du travail, et selon toujours le petit Larousse, ben, j'ai été très surpris de constater que ben, pour ce document de travail, ce document de référence, ben, l'emploi et le travail se confondent aisément. Ce qui fait donc que pour ce dictionnaire, l'emploi est, c'est l'exercice, pardon, le travail, c'est l'activité professionnelle régulièrement rémunérée. Et le travail ici est considéré comme encore une activité professionnelle. Donc les deux se confondent très aisément et ben, il peut y avoir de petites nuance. J'aime bien cette lecture croisée, dictionnaire et politique nationale de l'emploi, pour définir ces différents concepts. Il y a un troisième concept que je veux bien, d'autant que je veux qu'on parle, avant d'aller dans le vif du sujet. François, vous devez... un complément à faire par rapport à la nuance que vient d'établir le doyen Afayon, à savoir que toutefois, je peux me tromper, j'ai l'impression que le travail met beaucoup plus en avant la production de biens et de services. C'est-à-dire, lorsque vous obtenez un emploi, c'est pour travailler. Et comme vous travaillez, c'est pour produire des biens et des services. J'ai l'impression quand même qu'on peut essayer d'ajouter cette petite nuance pour montrer que même si la ressemblance est très visible, on pourrait peut-être regarder un tout petit peu de ce côté-là. Mm-hmm. Alors, oui, j'allais évoquer l'employabilité, mon style de mélange. L'employabilité, pour faire court, pour aller vite. Moi-même, vous savez, j'ai fait de la recherche. Alors, très rapidement, j'ai lu que le travail est une activité qui produit des biens, vous l'avez dit, ou des services utiles à la personne ou à la collectivité. Uh-huh. Et que l'emploi est une situation qui relie un travailleur à une organisation, d'accord, par laquelle transitent des revenus et des garanties sociales. Et l'employabilité, puisqu'on n'en a pas parlé, capacité individuelle à acquérir et maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, s'adapter à de nouvelles formes de travail. Alors, monsieur le directeur général de l'ANPE, monsieur le coordonnateur du PSI, est-ce que vous avez suivi la classe? Est-ce qu'on a été studieux? On a bien rendu? Est-ce qu'on a bien défini ces concepts selon vous? Ah oui, bien, Mbogi. Non, mais vous êtes des experts. C'est ah, pas une affaire c'est de pas, classe. Eux, ils sont des experts. Moi, je suis comme modérateur. Non, vous êtes des experts. Ce que vous avez dit est totalement juste. Et les deux termes se confondent. On fait peu de nuances entre les deux terminologies.
On parle indistinctement de travail, je travaille, oui. ou je suis un employé, ou, et vous l'avez si bien défini. Et aussi la dernière notion qui est l'employabilité, oui. qui est la capacité à être employé. C'est la capacité à avoir des compétences, des aptitudes qui vous permettent d'être vendable ou d'être achetable sur le marché de l'emploi. C'est ça que nous appelons employabilité. Et parfois, lorsque les gens sont au chômage, nous disons qu'il faut travailler à augmenter leur employabilité, c'est-à-dire à faire en sorte que, pour utiliser des termes qu'on connaît, à être une marchandise qui soit attrayable de manière à ce que l'acheteur, qui est l'employeur, puisse aller vers cette marchandise et l'acheter. Donc, nous travaillons souvent sur les jeunes pour augmenter leur employabilité, leur capacité à être un produit vendable. Voilà. Voilà. Monsieur Le Cosso, vous voulez ajouter votre micro, il est à côté. Merci. Votre micro, il est là, il faut l'allumer. Non, tenez, voilà. Oui, merci. Juste pour compléter ce qui a été dit, parce qu'effectivement, le forum présent n'est pas un forum savant. Oui. Où nous allons faire des définitions très théoriques et techniques, tout même si on en a l'habitude. Oui. Je veux juste apporter une précision. Le travail et l'emploi se complètent, mais il y a une petite nuance. Mm-hmm. Le travail n'est pas forcément rémunéré. Et toute situation de travail n'est pas une occupation rémunérée. Vous voyez bien, quand vous prenez un prêtre, vous prenez un soldat, ils n'ont pas de salaire. Vous voyez des gens qui font du travail bénévole à la communauté, ils ne sont pas forcément rémunérés. Bon, c'est juste la petite nuance. Mais quand nous parlons de l'emploi, c'est une donnée économique à la fois personnelle et collective. Et l'emploi, pour faire simple, c'est toute occupation rémunérée répondant à un besoin solvable et légal. Le voleur, il travaille, mais c'est pas légal. Ouais, bien. C'est la petite nuance que je peux apporter. Est-il rémunéré ou pas, le voleur? Il est rémunéré, mais c'est pas légal. Ouais. Oui, mais ça ne marche pas toujours. Hein. Ah, oui. Sinon, globalement, je crois que les experts, on peut leur faire un banc. Ah oui. Ah oui. Ah ouais, merci. Mais je voudrais... j'ai suivi M. Le Cosso. Et je me dis, mais d'où vient l'expression travail au noir alors? Si le travail n'est pas toujours rémunéré. Travailler au noir. Il est rémunéré, mais pas dans les normes légales et de décence qu'il faut. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. D'accord. Oui, M. Le Femme n'a pas encore parlé pour aller dans son domaine pour en référer à la Bible. Oui. Dieu dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Le travail est quelque part une malédiction, Franck. Si vous regardez à la création, l'une des premières consignes que Dieu a donné à l'homme, c'est de travailler, c'est de cultiver le jardin. Mais la partie que vous évoquez, c'est après la chute, c'est après le péché. Oui. Et donc, c'est pas l'état initial que Dieu a souhaité pour l'homme. Non, on devait travailler, mais pas en difficulté. Parce que, à la suite de ce que vous dites, il a parlé de la terre qui va produire des ronces. Et donc, l'homme va transpirer pour avoir son pain. Mais à l'origine, Dieu avait créé un jardin. Mais l'état dont vous parlez, c'est quand l'homme est sorti du jardin d'Éden. Mais tu le rejoins, alors, donc, est-ce qu'on doit retenir que c'est une malédiction? Non, ce n'est pas une malédiction forcément, mais c'est difficile, c'est rendu difficile parce que nous avons changé de nature. Nous sommes passés de la nature de Dieu à la nature de péché, et donc ça a ses conséquences. On n'est pas à l'église. Le débat sur ce table-là plus tard. Mais ce n'est pas une malédiction, mais c'est plus compliqué. Vous voyez, il y a plein de jeunes qui veulent travailler, les gens sont licenciés, il y a des difficultés. Cette phrase que Dieu a prononcée nous poursuit. Et la femme en travail, c'est la femme ouais. qui veut accoucher. Revenons sur le sujet. C'est pour te taquiner. Ces concepts-là, pour ça nous permet de mieux problématiser le sujet, d'accord, et l'orienter suivant plusieurs regards. Alors, j'ai envie de vous demander, au regard de cette nombreuses définitions, ces explications, les apports des différents responsables des structures publiques sur ce plateau. Selon vous, Raouf Afayon, comment se porte le marché de l'emploi chez nous? Le marché de l'emploi... Je pose la question à un retraité. Chez nous, au Bénin, il se porte un peu
bien par endroit, un peu mal par endroit. Il se porte un peu bien partout. Il y a des efforts pour répondre aux besoins de cette main-d'œuvre disponible qui attend à être utilisée, qui attend à être employée. Mais le marché se porte très mal toutes les fois que nous voyons que le nombre des jeunes qui sortent chaque année, et au lieu de diminuer, s'accumule. Donc les efforts ne sont pas suffisants. Les efforts ne sont pas à la hauteur des attentes. Ce qui veut dire donc que les défis à relever sont nombreux. Et encore une fois, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire certains aspects de la politique nationale de l'emploi qui, de façon objective, a reconnu qu'il y a des défis à relever. Et au fur et à mesure qu'on va relever ces défis, ben, le marché se portera de mieux en mieux. Et nous allons apprécier dans un instant comment est-ce que le Bénin tente de relever ces défis contenus dans la politique nationale de l'emploi avec Hubert Mbeji et M. Charlemagne. Donc, Lokosu, Konosian, selon vous, comment se porte l'emploi chez nous? Quelle est la situation de l'emploi chez nous? Merci André de passer enfin la parole. Au début, j'étais un peu circonspect. Vous n'avez pas souhaité la prendre. Je n'ai pas souhaité la prendre parce que à l'aide de Google, je me suis demandé. Non, là, j'ai trouvé trop scolaire cette oui, je me suis demandé et je vais demander au DG Hubert oui. Et l'autre, est-ce que M. Charlemagne, de nous expliquer aujourd'hui en quoi c'est important de comprendre, de connaître ces concepts-là à l'aide de Google. J'écoutais les experts parler, je m'ennuyais un peu parce que j'attendais justement qu'on en vienne au sujet. Oui. Est-ce que les jeunes travaillent? Sinon, pourquoi ils ne travaillent pas? Mais je reste sur ma question. Je voudrais comprendre s'il est aujourd'hui une plus-value de continuer d'être ce que j'appelle des réservoirs de connaissances. Des gens qui accumulent de savoir plutôt que d'être des gens qui produisent du savoir. Oui. On viendra sur ce débat, mais je veux répondre très clairement à votre question. Comment se porte le marché de l'emploi vu de l'angle sous lequel je me place? Oui. J'estime qu'il se porte mieux que ce qu'on l'imagine. D'ailleurs, je vais déjà dans le sujet. Un diplômé sans emploi, ça n'existe pas. Ou si vous voulez, ça n'existe plus aujourd'hui. Des jeunes sont de plus en plus employés. Je prends un seul exemple, il en existe ici, dans la web rédaction. Je ne prendrai qu'un exemple pour expliquer à quel point les jeunes aujourd'hui savent s'auto-employer, savent se créer de l'emploi. De sorte que aujourd'hui, il dit de quelqu'un qu'il est chômeur, c'est dire qu'il ne fait pas le travail qu'il aurait souhaité faire. Tous ont aujourd'hui, grâce à l'outil Internet, entre autres, trouvé un moyen de s'occuper. Donc, des jeunes au chômage, ça n'existe pas. Un diplômé qui n'a pas d'emploi, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens, c'est antinomique. Et pour finir, je réponds à votre question. Le marché se porte bien pour ceux qui veulent bien trouver quelque chose à faire. Il se porte mal pour ceux qui croisent les bras et attendent que la manne tombe du ciel. Et vous faites sourire, Franck Kenevo. J'ai envie de faire votre question. Oui, bien sûr. Franck Kenevo. Bon, non, je ne veux pas la guerre avec Collins aujourd'hui. Donc, parce que justement, il est assis à la place de Karen. Je pense que le travail, l'emploi, c'est vraiment une question essentielle pour la vie parce que c'est ça qui permet à l'homme de se réaliser. Vous voyez, si vous n'avez pas de travail, c'est que vous n'avez pas de rémunération et socialement, vous n'existez pas. Donc, c'est vraiment important de parler de l'emploi. Et si je regarde des années 1985 à 95 par là, il y a une rupture qui s'est opérée dans notre pays parce que en ce temps-là, quand les gens sortaient de l'université, on les prenait directement dans la fonction publique. Mais à un moment donné, il y a eu faillite du système révolutionnaire. Et donc, les gens n'allaient plus... L'État ne recrutait plus systématiquement. Et en ce moment, on parlait de diplômés sans emploi, de chômeurs, par-ci, par-là, à la radio, partout. Mais progressivement, les mentalités ont évolué dans notre pays. Et donc, les gens ont compris que l'État ne devrait plus être le seul employeur dans un pays.
D'où les initiatives, vous avez vu les marchés qui étaient plus ou moins animés avant. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent au niveau des marchés. Il y a l'agriculture, etc. Donc les gens ont commencé par s'auto-employer. Le secteur privé a commencé par se développer, à recruter des gens. Et donc aujourd'hui, on peut dire valablement que c'est vrai. Il y a de sous-emploi dans notre pays, mais il y a une mentalité qui commence par venir. Ce n'est pas encore comme les anglophones, ce n'est pas encore affiné vers les secteurs véritablement porteurs de nos jours, comme le numérique, comme la culture, comme le sport et autres. On n'a pas encore ces industries-là, on n'a pas de grandes sociétés de multinationales qui soient capables d'absorber les gens, mais les gens se débrouillent, les gens commencent par comprendre que même quand on est employé de l'État, on cherche des à côté. Parce que justement, on est dans un monde où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et la question de l'emploi, c'est pour répondre à ces besoins-là au niveau de la société. Il n'y a pas de problème d'emploi. Le marché de l'emploi se porte bien parce que les gens se débrouillent. Si, j'essaie de résumer la position de Colis et Franck Kennevor. Est-ce que c'est débrouiller, c'est travailler? Ce n'est pas ça. Parce que ce problème, tant que nous aurons le niveau de croissance que nous avons et le taux de démographie que nous avons, il y aura toujours ce problème d'adéquation, formation et emploi. On dit, selon les chiffres, près de 200 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Nous avons des étudiants, nous avons des enfants étudiants qui sont sur le marché de l'emploi. Nous savons quelle offre nous avons sur le marché. Nous sommes dans les jurys, nous présidons des jurys et nous voyons les filières que nous avons dans les universités, dans les privés. Nous savons combien les parents déboursent entre 400 et 800 000 dans le premier pour des enfants dont nous sommes à chaque année. Et nous sommes conscients qu'avec les filières dans lesquelles ils sont, ça n'aboutira presque sur rien. Tout à fait. Et ce n'est pas heureux de rencontrer son étudiant 2 ans, 3 ans après qui a soutenu. On lui a donné mention excellente et on le voit en train de se débrouiller dans la rue et dit qu'il travaille. Ça nous gêne quelque part. Donc nous aussi, nous sommes parents, on a des enfants. Donc il y a cette adéquation-là, il y a ces problèmes-là. Mais dire que le fait qu'il se débrouille en attendant qu'il travaille, ça me pose moins un problème. Mm-hmm. C'est vrai, aujourd'hui, il y a, sauf ceux qui s'assiedent à la maison, ont des problèmes. Mais je l'ai dit à nos jeunes étudiants, il faut, quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut qu'on puisse penser à reformuler, à rechanger nos mentalités. Les anglophones ne réagissent pas comme nous. Pendant longtemps, nos parents ne réagissaient que par rapport à la fonction publique. Ils voulaient aller travailler et avoir une retraite. Il faut vraiment que nous, qu'il y ait vraiment un changement de mentalité. Et c'est cela que je suis d'accord avec Franck. Un changement en train de s'opérer. Et c'est cela qui est tout à fait heureux. En attendant, il y a 10 ans, dans les années 90-86, vous entendez que telle personne est sortie de l'université. Depuis 8 ans, elle est à la maison, elle ne fait rien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus tellement ça. Mais se débrouiller, est-ce que quelqu'un qui a la maîtrise, qui a le master, qui est en train de faire des médias, est-ce que c'est cela? Est-ce qu'il travaille? Alors, je ne vous sens pas préoccupé par le sous-emploi, les emplois précaires, le ratio employabilité, diplômés sortis de nos universités, c'est quand même énorme. Personne, je ne sais pas, mais c'est moi qui ai un problème. Je ne sens pas ça dans les interventions. Je voudrais d'abord souligner que, Franck va devancer un peu. Et Collins, comme d'habitude, a voulu, je ne dirais pas mettre les pieds dans les plats, mais il doit avoir piétiné au moins la cuillère. Puisqu'à l'écouter, c'est comme si l'État n'a même plus à se gérer pour se préoccuper de la question de l'emploi. C'est-à-dire, si vous êtes chômeur, ça ne dépend que de vous. Non, je crois que c'est une interprétation peut-être un peu trop sévère de ce qu'on peut considérer comme un emploi. Mais cela dit, les mentalités ont effectivement évolué. Vous savez, par le passé, pour revenir au cas que citaient Michel Tchano et Franck, au temps de nos aînés, je dirais nos aînés, nos pères, nos grands frères à nous, avant que vous ne finissiez l'emploi, vous attendez. Mais ce n'est pas, je me souviens, quand vous lisez, vous vous rendez compte, il y a un temps où l'État a été obligé de rappeler Manu Militari, des étudiants béninois qui vont étudier en Europe, pour dire vous êtes tenus de rentrer, vous venez travailler. Bon, plus personne. Parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La fonction publique qui absorbait l'essentiel n'absorbe plus autant. Oui. Et là où je voudrais peut-être, par ailleurs, donner un peu raison à Collins, c'est qu'il y a d'autres débouchés aujourd'hui par rapport auxquels il faut réfléchir. Lorsqu'on évoque le domaine du numérique, qui quand même est un réservoir pour de nouveaux. Je ne dis pas administrateur de WhatsApp, comme je vous ai entendu dire au départ, ce n'est pas cela que je pense.
Mais il y a des métiers beaucoup plus solides qui peuvent découler de là. Mmh. Et par rapport à cela, pour autant que l'État ne vous trouve pas un emploi, c'est un peu gênant aussi de croiser les bras pour dire « j'attends l'État ou bien je n'ai pas trouvé un emploi ». Et pour aller un peu plus loin, vous voyez des pays où il y a même une allocation pour les chômeurs, vous allez voir que on dit lorsque vous êtes chômeur, vous recevez des allocations sous certaines conditions. Lorsque vous n'avez pas les emplois durant un certain temps, on ne commence pas à s'intéresser à vous pour dire « mais est-ce que durant tout ce temps, quel est l'effort qu'il a fait ?» Oui, est-ce que vous avez tenté Voilà, cela veut dire que quelque part, vous ne pouvez pas vous croiser les bras non plus pour dire « je n'ai pas un emploi ». Et en cherchant, en réfléchissant, forcément, vous allez trouver quand même une occupation à laquelle vous accrochez. Mais au-delà de vous accrocher à une occupation, trouver de quoi vivre, peut-être pas encore décemment. Alors, oui. Vous allez me permettre... Un mot de... quand même, non, par rapport... Mais très rapidement. Oui, en fait, très rapidement. Oui. Moi, je ne crois pas que ça revient à l'État de donner du travail aux gens. Mm-hmm. Mais il y a un marché que l'État peut aider à améliorer pour que chacun... Créer les conditions. Oui, c'est les conditions que l'État crée. Oui. Et il y a un marché pour l'emploi. L'État peut influencer le marché. Mais c'est à chacun de nous. Lorsque vous voulez un type de travail donné, vous devez vous former en conséquence. Si la formation n'existe pas ici, en ligne aujourd'hui, on peut faire des formations. Donc l'État qui pourvoit à l'emploi de chacun, moi je ne crois pas à ça. Mais l'État peut contribuer à améliorer le marché de l'emploi. Mais c'est à chacun, il faut que les parents commencent par donner cette culture à leurs enfants et à les aider. Moi, personne ne m'a orienté sur le plan cursus. Et je trouve dommage, moi je ne laisserai pas mes enfants, je vais leur présenter des opportunités, je vais les aider à s'orienter. Et donc à partir de ce moment, l'enfant se donne les aptitudes pour aller sur le marché de l'emploi. Mais si on attend que l'État finance ou mette en place des emplois aidés, bon, on va absorber tout le budget du Bénin et on ne va pas régler le problème de l'emploi. Écoutez, ils sont venus sur le plateau justement pour qu'on les écoute. Oui, mais juste une phrase. Vous n'avez pas envie d'entendre Hubert Mbeki? C'est une phrase, c'est une seule phrase. Okay, allons-y. Une expression master. Mais pas pour me répondre. Hein. Non, pas du tout. Une expression, il disait, on a le master, on peut faire Zemidjan et au-delà. Mais en fait, je ne veux pas me faire des amis. Oui. Quelqu'un qui a le master, qui a le doctorat, qui fait Zemidjan, il faut lui prendre son diplôme. Il insulte le diplôme, il insulte la formation. Merci. Maintenant, écoutez, on va donner la part. Oui, je crois qu'on a besoin d'équiper. Ah non, il faut finir alors. Parce que ce qu'on dit, il y a une façon plus simple de traduire cela. L'État-providence, ça n'existe plus. Oui. Et ce n'est pas les discours qui ont permis aux jeunes de comprendre. Aujourd'hui, on est dans un système de mondialisation qui fait que désormais, la notion même de l'État pour la jeune génération n'existe plus. Bientôt, la NPE ne se servira plus à rien. Parce que désormais, justement, les jeunes ont déjà compris. Au chômage. Ils ont compris par eux-mêmes. Ils ont compris par eux-mêmes. L'État que, voilà, on n'a pas besoin de faire un doctorat en bavardage pour venir chercher un emploi que l'État ne peut pas vous trouver et aller s'inscrire sur la liste des diplômés au chômage. Quand on a au minimum une licence dans une série de lettres modernes, on a le prérequis aujourd'hui pour s'en sortir dans ce monde mondial. Pour enseigner, en tout cas, il y a beaucoup d'écoles privées. Exact. Hubert Mbeki, Jalomé Lokosso, vous avez mes experts. C'est des gens qui ont du vécu, des gens d'une certaine réputation qu'on a vu sur la place. Vous les avez entendus parler de la question de l'emploi. Apprécier même la situation de l'emploi actuellement dans notre pays. Qu'est-ce que leurs commentaires vous inspirent, Hubert Mbeki? On va commencer par vous. Merci beaucoup. Comme je dis, les experts, ils disent tout et puis bon, nous, on vient mettre la cerise. Ah d'accord, on verra tout à l'heure, on va continuer de mettre la cerise jusqu'à la fin de l'émission. Bon, je voudrais quand même, j'ai bien envie de parler comme Collins. Ce serait tellement mieux pour moi de dire que tout est résolu. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Je ne pourrais pas sortir de ce studio, ils vont me tuer. ils sont à la maison, ils sont dans des situations et ils espèrent que nous puissions les accompagner pour trouver une solution à leurs problèmes. Vous avez parlé du marché. Oui. Je voudrais que tout le monde comprenne qu'il s'agit réellement d'un marché. Quand on parle du marché de l'emploi, c'est un marché dans lequel il y a des vendeurs et des acheteurs. Les vendeurs, ce sont les diplômés. Ils viennent vendre leurs compétences. Oui. Et les acheteurs, ce sont les entreprises, y compris l'État, qui achètent aussi des ressources humaines, des compétences pour son emploi.
Malheureusement, le problème qui se pose est qu'il y a un gros dysfonctionnement dans ce marché. Il faut le dire. Le marché n'est pas un marché actuellement normal. Parce qu'un marché normal, c'est qu'il y a une certaine harmonie jusqu'à un certain niveau entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que celui qui va dans le marché se dit, lorsque j'irai dans ce marché, je vais acheter des mangues, des fruits, des légumes, et il les trouve. Vous voyez. Malheureusement, sur le marché de l'emploi dans notre pays, la situation qui se présente aujourd'hui, c'est que l'acheteur vient et il ne trouve pas les produits qu'il cherche. Le vendeur vient et l'acheteur ne s'intéresse pas à lui parce que l'acheteur ne veut pas de lui, il veut autre chose. Et donc, on a un dysfonctionnement du marché de l'emploi dans notre pays qui a atteint certains niveaux que nous devons corriger et il faut faire ce constat-là. Ne pas le dire de ma position serait hypocrite. Et c'est qu'il fut un temps, dans ce pays, le gouvernement a voulu lancer un vaste programme de réalisation d'infrastructures, asphaltage, pour ne pas le nommer, et qu'il a fallu attendre pour trouver la main-d'œuvre qualifiée. Exactement. Les entrepreneurs ont dû aller dans les pays voisins chercher de la main-d'œuvre. Où il nous était loisible de rencontrer des Togolais sur des chantiers, des Ivoiriens, même parfois des Guinéens. Pour faire court, les acheteurs, c'est-à-dire les entreprises, viennent sur le marché et ne trouvent pas les compétences dont elles ont besoin. Pendant ce temps, il y a beaucoup de vendeurs, c'est-à-dire de diplômés qui sont là et qui, comme on dit dans Wagbami, Wagbami, et personne ne vient les acheter. Parce qu'ils ont des compétences qui ne sont pas demandées par les entreprises. Et il y a donc, monsieur, je crois, Fagnon avait commencé par le dire, ce hiatus qu'il faut corriger, qu'il faut faire en sorte que le rapprochement entre l'acheteur et le vendeur puisse se faire de manière à ce que le marché s'anime. Parce que le marché actuellement a des dysfonctionnements et comme vous l'avez dit, on est obligé d'aller chercher des compétences ailleurs alors que nous avons des compétences dans notre pays. Valides, deuxième, bon, je ne sais pas si je vais aller sur ce champ-là. Avant d'aller sur l'autre champ, monsieur Lokosso, oui, il y a peut-être ce hiatus, il y a ce dysfonctionnement du marché, mais au même moment, il y a ces nombreux jeunes béninois titulaires de diplômes, master par-ci, quoi, DEA par-là, mais qu'on voit dans des emplois précaires. J'ai parlé dans mon introduction de ces jeunes gens de master, mais qui sont tenanciers de kiosques, de mobile money, ils vendent des crédits GSM, ou sont administrateurs de groupes WhatsApp. C'est une réalité au Bénin. À qui la faute, en fait, ce constat? Alors, merci bien, mais en fait, j'aimerais d'abord préciser qu'il ne faudra pas dramatiser la situation, même si elle est très préoccupante. La distorsion du marché du travail n'est pas une invention béninoise. J'ai eu l'occasion à plusieurs forums au niveau international des questions d'insertion et d'emploi depuis plus de 25 ans. Ce n'est pas aussi dramatique. Et comme l'a dit le DG de la NPE, c'est une affaire de flux, de dynamique de flux. Offre et demande, mais sur un produit donné. Alors, nous avons tendance à réduire le chômage des jeunes à celui des diplômés qui ne font que moins d'1% de l'ensemble des chercheurs d'emploi. Les diplômés font moins d'1% de l'ensemble des chercheurs d'emploi. Si je parle de diplômés, les diplômés, si vous prenez au bas mot, à partir du bac et plus, tous ceux qui cherchent du travail ne sont pas que ceux qui ont à partir du bac et plus. Le DGNP pourrait y revenir tout à l'heure. Il est sur un projet qui s'occupe de ceux qui ont en deçà du bac et du BPC, des déscolarisés, des personnes qui ont grandi dans les campagnes, qui ont 14 ans, mais qui n'ont pas accès à la terre. Il y a tous ces aspects-là, des artisans qui n'ont pas pu se faire libérer déjà, qui sont des demandeurs de travail. Donc, il faut aussi qu'on relativise. Alors, la cause est tout à fait simple à trouver pour répondre à votre question. La cause est simple. D'abord, ce qui crée l'emploi, ce sont les besoins économiques et sociaux des ménages, des entreprises et de l'État, qui sont convertis par des unités que nous appelons en économie du travail des entreprises, donc c'est des agents économiques qui convertissent ces besoins-là en produits et services. Mais pour produire des services et des biens, il nous faut deux facteurs. Le premier, c'est le capital, qui ne manque pas d'exister d'une manière ou d'une autre. Le deuxième facteur, c'est le travail. Et ce travail, il faut que la main-d'œuvre soit en situation de transformer les matières premières en produits finis. Et c'est là la grande difficulté, parce que nous avons toujours eu des politiques d'emploi centrées sur l'offre. C'est-à-dire, les gens ont été formés, qu'est-ce qu'on leur trouve comme travail? Mais la tendance actuelle, on a inversé les paradigmes. La politique de l'emploi doit être centrée sur la demande. Donc, c'est le marché qui est le déclencheur du travail, ce qui n'était pas le cas pendant longtemps. Et ce déclencheur-là demande
un certain nombre de comportements, d'aptitudes et de capacités que malheureusement l'intersecteur, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les établissements de formation et autres, n'arrivent pas à faire. Vous avez des gens docteurs en économie et en marketing qui n'ont jamais vendu une orange, mais qui enseignent le marketing. Je ne sais pas comment celui qui n'a jamais vendu une orange peut enseigner le marketing à des jeunes qui auraient besoin d'un certain nombre de choses. Comme ce phénomène aussi, cette filière des coachs, les coachs, la plupart des diplômés aussi embrassent cette filière, ils sont coachs, ils forment les gens, les ménages, parfois ils ne sont pas mariés, mais ils donnent des conseils à des couples. Colin, si vous vouliez réagir. Juste une précision, l'État par exemple, on n'attend pas de l'État que l'État crée des emplois, on attend de l'État que l'État crée des conditions pour permettre aux personnes d'avoir des emplois. Je prends un exemple simple en restant sur ce que j'ai dit précédemment. L'Internet, la mondialisation, c'est une niche d'emploi. Il suffit de rendre accessible à tous l'Internet. Il suffit de revoir les coûts de la connexion Internet pour permettre à des milliers de jeunes d'aller sur YouTube se former et avoir des emplois. Voilà une niche incroyable. Et vous voyez qu'à ce niveau, il n'y a qu'une seule chose, c'est la volonté étatique. Tout le monde est d'accord qu'avec un accès à Internet dans tous les villages, chacun trouve nettement et plus facilement de l'emploi pour ce qu'on appelait des diplômés sans emploi. Et donc, c'est sur cet aspect que je voulais attirer l'attention. Et il n'était pas dans mon propos question de dire que l'État doit se désengager de tout ce qu'il fait ou ne fait pas, mais l'État doit tout simplement créer des conditions. Il y a tellement de programmes, il suffirait aujourd'hui simplement de rendre Internet gratuit pour faire de la caricature. Oui, André, je suis personnellement intéressé par la piste qu'a tracée tout à l'heure le DG de la NPE, à savoir c'est essentiellement une question de d'offre et de demande. Et qu'il faut forcément un accompagnement comme tu l'as souligné. Je voudrais savoir aujourd'hui, quel lien, est-ce que l'essentiel c'est d'avoir un emploi ou bien il faut forcément allier la qualité et la sécurité de l'emploi? Oui. C'est une question de curiosité que je pose au DG de la NPE. Oui, on va tenir le micro. Non, il n'y a aucun pays, dans aucun pays où on allie tout. Il y a tout dans le marché. Il y a la qualité, il y a la moindre qualité, la petite qualité. C'est la sécurité. Comme j'essaye de vous le dire, regardez ça comme un marché. Même en France, même aux États-Unis, vous aurez la bonne qualité, la moyenne qualité, la petite qualité. Donc, il faut travailler, créer les conditions pour avoir la meilleure qualité. L'entreprise cherche la meilleure personne. Voilà. Mais est-elle prête à payer le prix? Voilà. Et en fonction du prix, vous savez, moi, quand je fais les magasins, ceux qui font les magasins en Europe savent que le porc, dans les viandes, là, est la moins chère. Donc, en fonction de ta bourse, tu commences en haut et tu vois les euros et puis tu regardes ta poche et tu finis par choisir. Il paraît que parfois, on ne tient plus compte de sa confession religieuse. Je n'ai rien dit. Donc, il faut... d'achat qui détermine en ce moment-là le choix. Voilà. Nous autres organismes publics, l'État et tout ça, devront travailler à ce que la qualité de l'emploi puisse être assurée. La décence, d'ailleurs, le mot qu'on utilise souvent, c'est l'emploi décent. C'est-à-dire, cet emploi qui permet à la personne de s'épanouir, de gagner sa vie et de vivre dans une société où la personne est heureuse. Malheureusement, on ne peut pas dire qu'on va garantir cela à tout le monde. Parce que, une fois encore, regardez ça comme un marché dans lequel, en fonction de votre bourse, vous viendrez pour acheter, et selon votre bourse, vous allez chercher la high quality, la moyenne ou la petite. Je dois vous dire une chose. Lorsque il y a plus de demandeurs que d'offres, le prix baisse. Parce que, toi tu refuses l'emploi, un autre est prêt à le prendre à un prix moins. Par contre, lorsque il y a plus d'offres que de demandeurs, alors les salaires, c'est-à-dire le prix, augmente. Donc, exactement dans le marché de l'emploi, ça fonctionne comme un marché en fonction de la demande et de l'offre. Et maintenant, l'État, comme il l'a dit, je suis totalement d'accord, crée l'environnement, l'écosystème, accompagne pour que, parce qu'après tout, c'est le secteur économique qui crée l'emploi, et que le secteur économique puisse exister, s'épanouir ou offrir les opportunités d'emploi. J'aurais quand même souhaité qu'on donne la parole
à nos invités, à nos deux invités, puisqu'ils sont les responsables des initiatives publiques en matière de promotion de l'emploi. On va davantage les écouter et après, on pourra toujours réagir. Monsieur Lokosu, vous êtes au contact du Bénin en emploi. Vous insérez les jeunes, vous les maintenez. J'allais même lui poser une question. Ah d'accord, bon, je vous laisse alors la Non, parce que j'ai une petite entreprise qui a sollicité les services du PSE. Du PSE. Pour ne pas payer les impôts. Pour ne pas payer. Une petite entreprise qui va devenir grande, une multinationale. Qui fait déjà la facture de Malaisie, j'espère. Obligatoire. Ah d'accord, donc ce n'est pas une petite entreprise. Non, oui, je pense qu'il y a des défis qu'il faut relever ensemble avec l'État. Moi, j'ai souhaité avoir une personne qui m'accompagne dans le marketing. Mais le coordonnateur peut le dire plus que moi. On a eu 8 personnes qui ont postulé. On a retenu 4. Mais pour l'entretien, je n'ai eu qu'une seule personne. Parce que justement, les autres n'ont pas pu faire le nécessaire pour venir. Alors que si vous regardez les conditions qui sont proposées à ces primo-demandeurs d'emploi, c'est quand même une très bonne condition que quand nous, on sortait de l'ENA, on n'avait pas en allant dans l'administration publique. Donc, moi, je pense aussi que le coordonnateur pourra intervenir là-dessus tout à l'heure, qu'il y a un problème de mentalité au niveau de ces personnes qui veulent l'emploi. Est-ce que les mentalités, c'est vrai, les lignes bougent, mais est-ce que ça bouge véritablement? Moi, je suis convaincu que je ne peux pas être sans emploi avec les formations que j'ai reçues dans ce Bénin, que je regarde où il y a tellement de besoins, qu'il y a tellement de possibilités. En tout cas, et coordonnateur... Au moment, le diplôme ne garantit pas la compétence, l'aptitude et donc l'emploi, M. Lokosu. Oui, merci. En fait, c'est pour embrayer aussi sur ce qu'avait dit le DG. Et il y a une chose à laquelle nous ne faisons pas attention. Quand je le dis, souvent les gens m'attaquent. Je dis qu'il y a des opportunités d'emploi supérieures à l'offre de compétences. C'est-à-dire, les terres à terre. Si le Bénin doit répondre à toutes les opportunités d'activité économique, on ne peut même pas utiliser tous les chômeurs que nous avons. On est obligé d'importer de la main-d'œuvre. Alors, pourquoi il en est ainsi? C'est comme si j'ai un restaurant, je vends du riz, mais le client veut manger de la pâte. Mais ceux qui veulent manger de la pâte, on en a peut-être 200, mais ceux qui veulent manger du riz sont à peine 10. Je serais obligé d'aller chercher ceux qui savent préparer du riz ailleurs. Donc, le marché n'est pas seulement distordu, mais il est déséquilibré en défaveur de ceux que nous appelons les chercheurs d'emploi. Alors, quand nous prenons le cas du Bénin, sans verser dans les polémiques de chiffres, et des travaux scientifiques ont été faits pour mettre en œuvre le PAG, tout ce qu'on veut dans l'activité économique, on n'aura pas besoin de moins de 750 000 personnes actives qui apportent leur contribution pour transformer les opportunités de croissance en emploi, les matières premières en produits finis. Ça, cela, techniquement, ça se sait. Mais est-ce que nous avons l'offre, comme le disait tout à l'heure le DG, est-ce que l'offre de compétences, elle existe? Et pour répondre à M. Kenevo, un produit employable, c'est-à-dire un produit marketé côté emploi, il y a ce que nous appelons les soft skills. Ce sont des je ne vais pas dire des enjoliveurs, mais ce sont des compétences clés qui sont des compétences de vie, qui vont au-delà de savoir utiliser un ordinateur, de savoir utiliser un logiciel, des compétences de vie. Et ça, c'est pour vous dire, dans l'expérience que je suis en train de mener, nous sommes souvent déçus de voir qu'il y a des jeunes qui ne sont pas prêts à comprendre qu'ils sont un instrument de production au niveau de l'entreprise. Et quand nous prenons le PSE, bon, j'anticipe peut-être, l'un des fondements du PSE, c'est que les jeunes que nous plaçons doivent apporter de la valeur aux entreprises qui les reçoivent. Ça veut dire que si nous payons 200 000 francs à un jeune pendant 12 mois, ça fait 2,4 millions. Il faut que sa présence produise directement ou indirectement au moins 2,4 millions. Mais nos jeunes ne sont pas dans cet état d'esprit. Ils prennent ça juste comme une occupation d'attente ou comme une situation de rente publique à laquelle ils bénéficient à défaut d'être fonctionnaires ou autre. Et malheureusement, c'est ça le cas. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas la grande majorité qui est ainsi formatée.
Parce qu'il y a deux manières de changer. Soit c'est la pression des événements, soit c'est la volonté d'un leader. Et oui, dans le cas du Bénin, les deux sont combinés. C'est beau, hein, c'est très joli ce discours. Mais moi, je trouve trop facile quand on accuse la formation et quand on accuse le manque de volonté ou d'état d'esprit des jeunes. À qui la faute? Qui doit leur inculquer cet état d'esprit, Hubert Mengwedji? Non, je n'ai pas répondu. Hein. Non, la responsabilité est collective, puisque notre société, nous en faisons ce que nous voulons. Et chacun à sa place a une part de responsabilité. Mais quand même, il faut oser un peu dire les choses, mettre le doigt dans l'œil quand même. Je crois que nous n'avons pas beaucoup évolué dans notre formation. Le type de formation qui est donnée aux jeunes n'a pas beaucoup évolué, est resté un peu trop longtemps statique. Or, c'est une donnée dynamique que nous devons relire, revoir et mettre au goût du jour par rapport aux besoins du marché de l'emploi qui, lui, il évolue vite. Je vois, c'est Franck qui parlait tout à l'heure du numérique. Regardez comment le numérique est en train d'évoluer. Et je peux vous dire, et ça c'est le gouvernement même qui a fait le constat, ils ont voulu des spécialistes en numérique, n'ont pas trouvé, ils ont dû créer en même temps une école. Oui. Ce qu'on aurait dû faire depuis par anticipation. Oui. Parce que le numérique est en train de connaître une évolution telle que ça bouillonne vraiment. Voilà. Et donc la formation doit suivre immédiatement. Mais ce n'est pas que la formation. Il y a également les parents. Il y a également la société, les responsables que nous sommes. Chaque parent. La plupart des parents des jeunes d'aujourd'hui sont des anciens fonctionnaires ou tout au moins des gens qui ont vécu dans le système du fonctionnariat. Et ils veulent tous le fonctionnariat pour leurs enfants et le leur inculque, le leur impose. Je dois vous dire, monsieur Dossa, oui. Qu'aujourd'hui, ce qui marche dans le marché de l'emploi, et c'est ce que Charlemagne a dit tout à l'heure, c'est le talent. Et le talent s'accompagne des soft skills, des compétences de vie dont il a parlé tout à l'heure. Lorsque vous avez votre enfant et que vous êtes médecin, il ne faut pas lui imposer d'être médecin. Il ne faut pas lui imposer ce que vous pensez être. Ça se passe bien. Encore aujourd'hui? Oui, ça se passe toujours aujourd'hui. Et moi, je vois dans mon bureau tous les jours des parents qui accompagnent leurs enfants pour venir me dire, bon, voilà, il faut lui trouver un poste et tout ça. Je dis souvent aux parents, vous pouvez rentrer, je vais m'occuper de l'enfant. Je dis, non, vous rentrez pas, je ne vais pas parler avec vous. Parce que l'enfant est assez grand pour prendre ses responsabilités. Vous voyez? Parce que souvent, on veut conduire l'enfant jusque là-bas. Alors que ce qui est important dans l'enfant, c'est d'abord le talent qu'il a en lui et c'est vers ça qu'il faut l'orienter. Et lorsqu'un enfant étudie dans son domaine de talent, il réussit toujours. Et donc, la famille... Parfois, il faut les accompagner. La famille, et je ne terminerai parce que... Le troisième facteur, c'est l'économie, c'est l'environnement, c'est l'écosystème. Et ça, c'est l'État qui le crée. Par l'attrait qu'il va créer pour que les entreprises viennent s'installer, pour pouvoir faciliter la création de l'activité économique. Les banques, il y a tout un tas de choses, la fiscalité, les lois, la justice. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout ça là est fait. Au moins, je ne viens pas pour faire de la propagande quand même pour quelqu'un. Mais l'écosystème qu'il faut créer pour que l'activité économique soit tellement dynamique pour que chacun trouve sa place dedans, c'est le troisième facteur. Et donc, lorsque il y a dysfonctionnement, il faut regarder à ce niveau-là qui est responsable. L'État va dire, je suis responsable de l'écosystème. Est-ce que j'ai suffisamment créé l'écosystème pour que l'activité économique puisse se faire? Les parents doivent regarder comment ils agissent sur les enfants pour que, au lieu que ce soit les diplômes pour les diplômes, mais que ce soit les talents qui éclorent, et les éducateurs doivent se poser la question de savoir le type d'homme que je forme, est-ce que c'est de cela que le marché a besoin? Et vous avez plusieurs fois parlé du numérique. C'est vrai, le secteur numérique est en ébullition aujourd'hui dans le monde et ce bouillonnement, ça engendre un bouillonnement entrepreneurial chez nous également. Sur ce plateau, nous avons beaucoup d'exemples. J'ai invité beaucoup d'entrepreneurs pour partager leur expérience. Vous allez me permettre d'accueillir sur ce plateau un chef d'entreprise. C'est l'une des championnes des start-up béninoises qui d'ailleurs a été récemment distinguée par le gouvernement. Il s'agit de Amos Amou Avosse qui va nous rejoindre dans nos stars, nos légendes. Un peu de place, voilà, installez-vous. Merci. Passez-lui le micro, monsieur le coordonnateur. Voilà, Amos Amou Avosse, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le PDG de BFTSA et aussi administrateur de Benefintech.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, Amos a été récompensé récemment, sa structure, la start-up BFT, au nombre de, ils sont une dizaine, 11 pour être plus précis, je crois, hein, oui. Amos, par le programme Oumu Mandira, c'est ça, Oumu Mandira du Fonds Faen, du numérique, pour impulser ce secteur, pour accompagner ces jeunes qui entreprennent, qui révèlent le Bénin. Il est ici aussi pour partager son expérience. Mais avant de donner la parole à Amos, je voudrais vous présenter des dames que j'ai invité. Il s'agit d'abord de Ella Kounou, qui est restauratrice. Elle fait les mains de Blessing. Moi-même, j'en mange et c'est très bien fait. Donc, d'ailleurs. On va manger à la fin de l'émission. Ah, non, malheureusement, elle n'est pas venue ici avec sa gazinière ou ses casseroles. Elle a pour nous parler de son initiative. Comment a-t-elle commencé à entreprendre et surtout en s'appuyant sur le numérique. Ella, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un alors, plaisir. Comment, qu'est-ce que vous faites concrètement et comment ça se passe? Expliquez un peu avec l'assistance. Alors, à la base, j'ai fait une formation de journalisme à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Et après, j'ai voulu me lancer dans la restauration. Et ça s'appelle Les Mains de Blessing. Les Mains de Blessing, c'est un service de livraison spécialisé dans les mains béninois, à savoir le chayo, le amanvivet, le goma et autres. Alors, j'ai voulu plus me spécialiser dans cela parce que j'ai vu qu'il n'y a pas une restauratrice qui s'est vraiment spécialisée dans les repas béninois. Tout le monde essaie de faire un peu de tout. Alors, moi, j'ai voulu faire du Made in Benin en créant les mains de Blessing. Voilà. Et les mains de Blessing s'achètent sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter et tout. Et pour la livraison, comment ça se passe? On peut commander de la maison? Oui, vous commandez de la maison. On a des livreurs qui sont chargés de cela. On a un numéro que vous appelez. Si vous le permettez. Non, pas de numéro. Pas de numéro. Voilà. Alors, j'ai envie de demander à M. Lokosu. Que pensez-vous? Oui, vous avez accès au compte. Comment pensez-vous d'une telle initiative? Alors, d'abord, c'est une initiative à saluer. Ça foisonne, hein? Non, d'abord, ça foisonne. Oui. Mais je vais vous surprendre que ces gens d'initiatives ont la côte jusqu'à au moins 2035. J'ai participé à un think tank concernant la fracture numérique et la promotion de l'emploi. Et là, rassurez-vous, tous les métiers auront comme support le numérique. Voilà. Et je profite pour glisser ce que vous avez dit, celui qui a fait une maîtrise et qui fait... Et aujourd'hui, on les appelle des community managers. C'est des community managers. Donc, il y a des noms qu'on leur a trouvés. Est-ce vraiment des community managers? Non, pas ça. Je ne le pense pas. C'est-à-dire qu'on prenait quelqu'un, un community manager, oui, qui crée une communauté numérique. Oui. Il peut développer un thème, soit être pigiste, soit collecter de l'information pour des personnes données, soit recentrer. Le manager a reçu une formation. Il a reçu une formation, voilà. Mais il exerce d'abord le métier. Voilà. Je ne connais pas un community manager, il n'existe pas de diplôme community manager. Okay. C'est quelqu'un qui fait le métier et il se professionnalise avec un certain nombre de repères et le métier s'est construit désormais. Adjovi, vous confirmez pour... hein? Passez-lui le micro, elle ne voulait pas parler. Alors. Est-ce que vous confirmez? Quoi spécifiquement? Community manager. Communauté de pratiques en matière de numérique. Alors, je suis tentée de faire une différence. Parce que lorsque M. André Dossa parlait d'administrateur WhatsApp, je voyais quelque chose de tout autre. En fait, dans le secteur du numérique, il faut faire la différence. Oui. Comme M. Amegbedi le disait tout à l'heure, il y a tout, c'est un marché. Il y a de ces jeunes qui ont simplement un beau jour, qui se sont levés, qui ont créé un groupe WhatsApp, juste pour rien en réalité, soit c'est pour arnaquer. Je fais une différence nette entre cela. Oui. Et je ne voudrais pas qu'on salisse les métiers du numérique en appelant cela du community management. Mm-hmm. Ce que j'appellerais le community management, c'est une personne, comme vous le dites, qui crée une communauté pour un but précis, pour un but professionnel. Ça peut être de l'information, comme vous l'avez dit, avoir un média en ligne, regrouper une communauté autour de son intérêt. Ça peut être sur Facebook également, ou tout simplement une page où il gère en arrière les chiffres, les entrées et les sorties. Il intéresse sa communauté pour atteindre pour une organisation. Je voulais vraiment faire cette nuance-là entre le désordre et l'ordre. Voilà. Merci. Alors, il y a une autre dame que je vais vous présenter, Tatulé Ganfon, elle s'appelle.
Merci André. Vous faites quoi? Vous êtes aussi entrepreneur. Alors, parlez-nous de vous. D'accord. Ici, c'est Tertulie Gaffon. Je suis à la base titulaire d'une licence professionnelle en agrotechnologie. Tout juste après ma licence, j'ai eu à faire de nombreux jobs en griffe. De nombreux jobs. Je fus secrétaire dans une société, alternativement caissière, enfin, de petits jobs. Mais au fini, je me suis dit, mais il faut quand même que je m'installe à mon propre compte, du moins, que j'exerce dans ce que j'ai appris. C'est de là que je me suis dit, mais puisque j'ai travaillé sur les farines, j'ai soutenu un mémoire projet sur les farines et tout, je me dis, il fallait quand même que je puisse exercer ce projet-là. Donc, avec les petites économies que j'ai eu à faire dans mes petits jobs et consorts, j'ai pu installer mon business qui aujourd'hui a pour nom les Régals Tertulien. Je suis beaucoup plus spécialisée. En fait, c'est une société qui fait la transformation des produits agroalimentaires. Nous sommes spécialisés dans les farines et les purées de tomates. Et vous appuyez aussi sur le numérique? Bien entendu. Voilà, actuellement, nous n'avons pas encore une boutique, rien de tout ça. Nous vendons en ligne. Vous existez quand même? Nous existons. Nous avons une page Facebook. J'utilise également mon compte Facebook. J'ai également des web activistes qui relaient, qui mettent pour la publicité. Et je crois que petitement, je vais pouvoir y arriver. Merci. On va passer le micro à Madame Romaine. Madame Romaine Coudécouton. Voilà. Oui. Moi, c'est Coudécouton Romaine, promotrice de l'entreprise Les Délices de Rome. Nous sommes spécialisés dans la transformation des amuse-bouches, faits au four sans l'huile, et même des pastels sans l'huile aussi, des cocos râpés. Au début, j'ai fait la maîtrise en sociologie et j'ai fait l'enseignement pendant 7 ans. Et quand la tendance est et pour soutenir ma maîtrise, j'avais soutenu ma maîtrise sur la précarité des femmes dans la transformation de l'huile rouge. Parce que j'avais un regard envers les femmes par rapport à la transformation de l'huile rouge. Nous constatons que c'est la femme qui travaille le plus pour la transformation, mais au retour, elle n'a que des miettes parce que les palmerais, c'était appartenait aux hommes. Donc c'était mon objectif, mais quand j'ai fini, ça tardait à venir, j'ai commencé avec l'enseignement. Donc quand je suis revenue maintenant après les 7 ans de l'enseignement, je me suis dit, tu as quelque chose qui est caché en toi, il faut le faire sortir. Parce que avant, je faisais un peu des amuse-bouches et je vendais. Donc quand j'étais restée à la maison, novembre, décembre, j'ai fait une rentabilité de plus de 300 000. Et je me suis dit, il faut que je développe ça. Donc quand les gens viennent, ils prennent de petits cailloux, ils disent, vous n'avez pas coco râpé, vous n'avez pas cacahuète. Donc j'ai commencé par faire le tout. Et je n'ai pas de temps actuellement. Je sais que ce qu'on va, je vais dire aujourd'hui là, peut-être que les parents nous avaient mal orientés. Parce que l'objectif des parents, c'était d'aller à l'école. Avoir des diplômes. Avoir des diplômes. On veut voir son enfant avec une maîtrise, un doctorat. Mais au finish là, ça servira à quoi? On ne se posait pas cette question. Et c'est ça qui nous a amenés à ce stade. Donc depuis là, j'observais et j'étais très ému par l'intervenant, les interventions de chacun. Voilà. Merci beaucoup. On va écouter. Très bien. Une dernière personne. Voilà. Madame Arroyon. Également, qui va partager son expérience avec nous. Je suis Victoire Rayon, promotrice de l'entreprise Winagro. Nous sommes spécialisés dans la production animale, en particulier les volailles, telles que les poulets locaux, les dindes, les pintades. Bon, nous avons à cœur la réduction de l'insécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition humaine, tout en veillant à l'utilisation des produits 100% bio et naturel dans l'alimentation de nos différents sujets. Et aussi, Winagro n'utilise pas les produits chimiques. Nous sommes... Vous êtes dans le bio. Oui. Non, il n'y a pas de provende, il n'y a pas de... Est-ce que cette activité est liée à votre formation de base? Est-ce que... Non, j'ai eu la licence en sciences naturelles. Ok. Oui, donc... Okay. Alors, vous avez vu un peu ce kaléidoscope de profils qui entreprennent dans des secteurs
ou n'ont pas forcément reçu une formation. Il y a même une journaliste, j'aurais pu le dire dès le départ, elle fut journaliste. Et vous voyez un peu, comment vous appréciez ça? D'abord, je vous donne la parole avant peut-être d'aller vers les deux, le directeur et le coordonnateur. Oui. Le numérique, comme on l'a dit, est revenu plusieurs fois dans tout ce qui se fait. Oui. Et donc, ce n'est pas le numérique qui est l'activité directement. Oui. Mais le numérique facilite l'exercice de l'activité. Quand vous observez, vous écoutez la plupart des de ceux qui ont pris la parole, par exemple, vous voyez que le numérique permet, par exemple, de faire sa pub, sans, même quand on n'a pas de grands moyens pour faire la publicité dans les médias traditionnels. Ça fait des manques à gagner. Mais on peut pas, ne pas citer l'exemple pour autant. Ça, c'est très important de le souligner. En plus de cela, vous voyez, même je prends pas le Mans Blessing, par exemple. Ce sont les mets locaux. Je peux lui dire qu'il y a pas mal de gargotes de resto qui le font, mais elle a réussi à faire une segmentation tout en restant dans les mets locaux, en prenant le mât uniquement, au lieu que de faire le gombo et plein d'autres choses. Ça veut dire que quand on regarde le marché, j'ai entendu ce mot qui revient plusieurs fois de la bouche des techniciens, c'est pertinent de le faire. Personnellement, je voudrais d'abord m'intéresser au directeur de FinTech. Voilà, Amour Avancé. Voilà, pour lui dire, mais... ce monde des start-up n'a peut-être rien à voir directement par rapport à ce qu'on connaissait de façon classique. Et lui, il a pu quand même évoluer dans ce domaine, à ce niveau-là. Ce n'est forcément pas par hasard. Je voudrais savoir comment est-il parvenu à ce niveau-là. Merci pour la question. Il faut dire que moi, d'abord, je suis venu un peu par accident dans le métier parce que j'ai fait la santé. J'ai fait la santé publique à l'université et pas mon activiste en ce temps. J'étais un leader de jeunes à l'université de Parakou. Et on a lancé une organisation avec Tionyang Give One Project où nous aidions donc les jeunes à devenir engagés dans leur communauté. Uh-huh. Et c'est de là que, fortuitement, j'ai rencontré mon actuel parrain ou mentor qui m'a mis dans le monde des affaires, M. Samba Bachili, qui pendant 10 ans m'a appris le monde des affaires. Pour la petite histoire, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu n'as pas le droit de parler pendant 3 ans. Donc, je le suivais dans les réunions. C'était un temple. C'était même plus qu'un temple, parce que tu rentres dans les réunions, tu as des idées, et il dit, tout ce que tu as comme idée, c'est faux. C'est que tu ne connais pas le monde, donc tu te tais, tu suis. Et après 3 ans, j'ai compris qu'il avait raison parce que, étant jeune dans le monde des affaires, je ne comprenais pas ce qu'il se disait et tout. Donc pendant 3 ans, j'ai appris avec lui. Et après, il m'a dit, tu es prêt, va gérer tel pays pour moi. Donc on a fait Econ Lighting Africa avec les lampadaires et ainsi de suite. Okay. Et en 2017, je me suis dit, je vais me lancer moi-même. Et j'ai regardé dans tout ce que j'ai vu auprès de lui, qu'est-ce que j'aimais le plus. Et c'était donc le numérique. Et là, je me suis lancé donc dans une entreprise du numérique. Et voilà un peu pour la petite histoire. Je suis devenu start-upper malgré moi. Mais voilà. Et ça se passe très bien puisque je l'ai dit, vous êtes constitué l'une des championnes des start-up béninoises. Et vous avez été distingué par le gouvernement qui accompagne. Moi, j'ai une question pour vous. Les start-up. Est-ce qu'on peut comprendre un peu ce que vous faites? Le contenu, qu'est-ce que vous faites? Parce que ça m'a l'air abstrait pour le moment. Ça, c'est très intéressant comme question. Donc, BFT, nous sommes une fintech, donc une société qui fait dans les technologies financières. Nous aidons donc les institutions de microfinance, les banques, la poste, à offrir donc le service financier à distance. Aujourd'hui, si on prend par exemple une microfinance qui doit développer ou bien doit mettre en place une agence dans un village, il lui faut au moins 10 millions pour mettre en place une agence en termes de loyer, décoration et tout ça. Imaginez qu'il doit déployer donc dans les 5 000 et quelques villages du Bénin. Ça lui revient à 5 milliards minimum en termes d'investissement. Et ça, ce n'est pas évident pour une microfinance de le faire. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, nous amenons donc la technologie au niveau services financiers pour permettre que les institutions n'aient plus à déployer des agences physiques, mais qu'ils déploient des agents avec des terminaux comme ceci. Et ils peuvent offrir donc le service financier à distance. Donc, vous avez dit qu'il y a des gens sur place qui vont faire
la clientèle. Exactement, comme les réseaux GSM aujourd'hui ont des personnes qui vendent les points les de vente, les recharges, ainsi de suite. Avec la technologie que nous apportons, on peut aller faire le service financier. Donc, par exemple, collecter la tontine. Aujourd'hui, nous travaillons avec la plus grosse institution de microfinance au Bénin, la FESECAM, où ils ont déployé 200 agents avec notre technologie pour collecter de l'épargne quotidienne. Donc la tontine traditionnelle, tous les jours, on passe chez la dame. Et ce n'est plus donc les carnets traditionnels, mais aujourd'hui, c'est des cartes. C'est des cartes NFC que nous donnons à la place donc, des carnets pour faciliter la chose. Ça permet d'aller plus vite et de faire donc le kilomètre additionnel. Et qu'est-ce qui vous a valu cette reconnaissance du gouvernement et en quoi consiste cette reconnaissance? C'est un accompagnement pour booster votre entreprise? Il faut dire que nous avons été identifiés sur la base que nous faisons avec les institutions de microfinance au Bénin. Parce que pour la petite histoire, nous sommes quand même une première entreprise donc dans le domaine des fintechs qui collecte autant de l'épargne. Il y a une étude de la Banque mondiale qui nous a identifiés comme la seule fintech au Bénin qui fait donc dans l'épargne l'investissement. Donc c'est cela qui a permis que le gouvernement nous a identifiés. Nous faisons aujourd'hui mensuellement plus de 2 milliards de collecte d'épargne au Bénin. Donc c'est pas mal. Oui, rapidement, je voulais dire... Tous les jeunes qui ont pris la parole tout à l'heure, ils sont le monde de l'emploi tel que je le présentais au début au Bénin. Ce sont, pour les statistiques nationales, des sans-emploi, mais c'est dans la réalité des gens qui ont appris chacun à se débrouiller à sa manière, et se débrouiller même un mot péjoratif, qui ont appris à se prendre en charge chacun à sa manière. J'ai voulu demander à l'une d'entre elles justement, comment elle pense que le marché de l'emploi peut se structurer aujourd'hui pour accompagner chacune de vos initiatives? Parce que vos initiatives, elles existent. Elles n'ont plus que besoin d'être postées. Mais vous qui êtes au quotidien dans l'activité, comment pensez-vous que cela peut se faire? Juste pour que ceux qui nous regardent, vous regardent, puissent eux aussi s'en inspirer et à des occasions rencontrer le DGD. DG, voilà exactement de quoi nous avons besoin. Merci. Vous avez envie de répondre? Oui, à commencer par... Peut-être pas par le DG. La première des choses, il faut avoir la confiance en soi. Il faut avoir la confiance en soi et croire à ce que vous faites. Se donner à fond. Parce que pour demander quelque chose aujourd'hui, il faut qu'on voit réellement ce que vous faites pour voir si c'est vraiment du concret avant de vous accompagner. Amos, à cette reconnaissance, cette distinction du gouvernement, sans doute un coup de projecteur pour votre start-up qui, j'imagine que vous ambitionnez, vous développez vos activités sur d'autres horizons, à peu près où, par exemple, quelles sont les autres activités que vous développez? Oh, il faut dire que je pense plutôt que la distinction vient montrer qu'on révèle le Bénin à l'international parce que nous sommes au Togo, nous sommes au Burkina. Nous sommes en train donc de faire les pays francophones d'Afrique parce que, bon, étant francophile d'abord, il faut commencer avant d'aller chez les Anglais. Donc, mais il faut dire quelque chose quand même, je veux quand même intervenir sur un point. Aujourd'hui, il y a des certifications dans le domaine du numérique, le community manager. Aujourd'hui, il y a des certifications qui ont même titre que les diplômes. Je donne l'exemple donc de Coursera. Coursera, c'est une plateforme en ligne où vous pouvez faire des formations dans les métiers du numérique ou dans tout autre métier. Et il y a plein de certifications. En 6 mois, tu peux avoir une certification professionnelle en community management, en data management, en développement même d'applications ou comment professionnaliser donc son métier via le numérique. Ouais. Et ces certifications vous permettent d'aller sur le marché de l'emploi, d'être autant compétitif que toute autre personne. Donc voilà un peu. D'accord. On va... une dernière question avant... Par rapport au tontinier du quartier que nous connaissons, le collecteur de pain que nous connaissons. Ce qui fait les Gbegans. Est-ce que votre idée a même de changer cette manière de collecter l'argent dans les quartiers? Il faut dire que c'est... Et c'est ça, je tenais quand même à dire toute une félicitation. Je fais un clin d'œil au gouvernement et au ministre des Finances qui... à réguler ça. Par exemple, aujourd'hui, à Dantokpa, il n'y a plus de tontinier traditionnel. C'est interdit. Et notre technologie, justement, permet de sécuriser l'épargne parce que ces Gbegans, ces tontiniers prenaient l'argent des dames,
et s'enfuyaient tout simplement. Et avec la technologie aujourd'hui, on peut les tracer. J'ai montré tout à l'heure un TPE, le collecteur est tracé. Donc, qu'il est quelque part, tant que le TPE est allumé, on peut le géolocaliser. Et venir le prendre s'il fuyait. Mais également, ça permet de lier donc, ce réseau d'agents de Tontinier à des institutions établies. Parce que, qu'on le veuille ou non, cet Tontinier était sur un marché parce qu'il y avait un besoin que les institutions n'arrivaient pas à couvrir. Les banques n'arrivaient pas à aller dans les ménages des gens pour collecter la tontine. Donc, cet Tontinier, fût-il être traditionnel, essayait de répondre à un besoin de services financiers existants. Et avec notre technologie, on arrive à professionnaliser ces personnes-là et à les mettre dans un secteur financier classique. En fait, votre initiative n'exclut pas d'utiliser cet continuité traditionnel, mais ce n'est plus eux qui sont les interlocuteurs directs. Enfin, ce n'est plus eux qui répondent du système devant. Ils sont au contact du frais. Ils sont au contact du frais, mais le frais est tracé. Ah, voilà, c'est la sécurité maintenant. C'est enregistré et voilà. Ils vont verser donc ce qu'ils collectent. Ils livrent l'équipement aussi. L'équipement instantanément et ils vont verser ce qu'ils collectent au niveau donc, de l'institution à laquelle ils sont rattachés. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un très bon programme avec le FNM dans ce sens pour permettre également qu'il y ait le professionnalisme. Merci. Okay. On a beaucoup parlé, hein. J'ai envie qu'on marque une petite pause pour suivre nos amis de Jésus Comedy Club dans ses cocasses. Je t'attendais depuis, hein? Tu m'as déjà fait perdre 15 minutes ici maintenant. Hein? Quand je présente le billet aux gens, ils me demandent d'où j'ai sorti ça. Il paraît qu'il n'y a que 12 000 dans le pays et moi j'ai 10 000 en poche. C'est pas bon ce que tu fais. À cause de 50 francs, tu m'as fait perdre 30 minutes ici à ta dame. C'est pas bon. Ils ont même failli me brûler là maintenant. Comment ça? Ils ont dit qu'il n'y a pas l'argent dans le pays. Tous, moi j'ai sorti 10 000. Les filles, 10 000, j'ai dit quoi, 12 000, ouais, tout, mais bédo. Faux. Mais ils ont quoi, ils m'ont mis. Mando, c'est ce que je te dis. Je t'ai déjà remis 200. Tu as dit que c'est 250. Je t'ai remis 200. À cause de 50 francs, tu dis que tu iras monnayer mes 10 000. Je n'ai pas d'argent. Je mais 50 francs là, ce n'est pas petit. 50 francs, nous, ben, tu es retourné. Avec 50 francs, il y a quoi, qui va, moi, soja, des dieux. Je n'ai pas. Mon frère, tu as la chance, tu as trouvé du travail et tu es en train de faire. Moi, j'ai étudié dans ce pays, je n'ai pas trouvé du travail. Quoi ton compte, tu vas commencer. Bon, il y a une fille qui est là. Attends. Toi, tu as étudié. Ça, là. Tu sais le diplôme que moi j'ai. Hein? J'ai un BTS en audiovisuel. Un BTS en audiovisuel. Toi, un ZEM. Et le diplôme, tu as dit, bah. Attends, si tu as trop de diplôme, tu as le CEP. Et le CEP encore, là. On vient d'entendre réfléchir à ça. Peut-être que tu as eu ça au minet. Quand je te vois là, toi, tu n'as pas le diplôme. Mon diplôme. Frère, mon frère. Tu sais où je travaille? J'ai fait l'école internationale d'agronomie de Sorbonne. Ah, okay. Sorbonne, je vais te montrer. Si tu veux, je vais te montrer mes diplômes. Tu vas me montrer comment? Mes diplômes. C'est ici chez vous qu'il n'y a pas du travail et il faut aller étudier à l'extérieur pour venir faire des émissions. Sinon, là-bas, nous y retournons dans un yon. N'a quoi soir? Et depuis que je suis rentré au pays, parce qu'on m'a dit qu'il y a du travail au pays. Et il y a même des institutions qui disent que le taux de croissance de travail, que ça il est gagné, ouais. Et depuis que moi je suis rentré ici, là, c'est Zemina seulement que je fais. Au cabine de nos campus ici, nous confinons, un sacré dîner, mais quand nous 13 ans. Nous en sommes que les cons. Et depuis un moment même, je me déplace avec mes diplômes. Donc, tu vois, nous y sommes, bon. Alors, quand il y a un homme, il prend la bombe, on va te poser. Quelqu'un, hein? Je vois qu'il n'y a pas de débat. Faut voir ça avec tes amis, Zemina. Moi, je suis en train de rentrer. Je vais me reposer. Non, non, mon agent. À quoi, oui, Je n'ai pas la monnaie. Attends. Oui, pourquoi le mec, quelqu'un dans le calme, moi. Quand je suis en train de te parler, oui. Tu penses que je blague. Tu as vu, ça, c'est mon diplôme. Tu as vu. Je vais te montrer ça. Moi, j'ai fait mes diplômes en Europe. J'ai fait mon BPC. Bon, voilà. Oui. En Europe. Et c'est là-bas que j'ai fait l'école international de d'agronomie. Quand je suis venu ici, j'ai continué à l'université de Caravilla et aujourd'hui je suis doctorant en azétonomie. Je suis un azétologue en devenir quoi. Azétologie là c'est quoi? L'azétologie c'est la science qui étudie et la spiritualité profonde. D'accord? Oui. Et dans un mois maintenant, je vais créer mon école de sorcellerie.
Parce que, tu sais, pour commencer par donner la sorcellerie aux gens, parce que tu sais, je vais t'expliquer, il n'y a pas du travail dans votre pays ici. Quand moi je suis rentré de l'Europe, j'ai cru qu'il y avait du travail. J'ai présenté mes diplômes, les gens ne m'ont pas retenu pour travailler. J'ai fait vendeur dans la cabine. J'ai fait vendeur de Achuta à Misebo. J'ai fait Zemidia. C'est-à-dire, nous, autres, tu m'étonnes de bon nom, quoi de merde. Donc, j'ai décidé d'étudier à nouveau. Et là, la seule science qui peut permettre d'avoir un peu d'argent aujourd'hui, c'est maraboutage. Oui. Donc, j'ai décidé d'étudier, d'apprendre maintenant la zétronomie. La zétronomie, c'est la science qui étudie la sorcellerie profonde. Donc, merci, Fien Dion. Parce que mon frère qui a fait les lettres modernes, là, lui, il est devenu professeur de français. Oui. Ma soeur qui a fait la médecine, elle travaille chez la matrone qui est derrière ici. C'est 15 000, elle gagne par mois. Tu vois, j'ai un jeune frère qui est en train de faire photovoltaïque maintenant. Et les trucs où les gens mettent les trucs sur le panneau là. Oui. Bientôt maintenant, le gouvernement va dire qu'ils vont payer un pot. Parce qu'ils utilisent le soleil du Bénin. Tu vois, c'est mon frère a démissionné. Donc, il n'y a plus de travail. Donc, attends, je vais te montrer. Moi, je ne mens pas. Encore que je suis en train de devenir sorcier. Attends. Je vais te montrer. Tu as vu, ça c'est ma carte. Tu as vu, moi je ne mens pas aux gens. On dirait que je rêve. Et c'est ça, donc j'ai dû prendre le lot de mes diplômes pour le syndicat bon tour. Mais à Zoré Déo, et dans l'Euromi. Tu as sort et quand l'Euromi est là, il y a un sou comme le CNH, je suis bon, tu vois. Donc, en an, c'est 10 000 euros. Bon, en bas, change, tu vas me donner ton numéro et je vais te faire mobile money. Et les 50 francs. C'est-à-dire. Depuis que tu parles, je me sens bizarre. Attends, tu veux dire que malgré tes deux licences, hein, ton BTS et malgré que je suis en train d'apprendre la sorcellerie là. Tu n'as pas de boulot, c'est ça? Non, 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 câble théâtre de fichu, mon quoi, mon quoi, 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 mon tourné, ouais, oh. Il n'y a pas de travail dans votre pays. Moi, je m'apprête même à quitter le pays déjà. C'est possible. Moi, je n'ai que le BTS. Hein. Ah. Et là où je suis, je travaille au ministère. Et c'est pas, tu as la chance. J'ai un salaire conséquent. Donc, donne les 10 000, je vais partir. Et je vais te faire Momo pour les 50 francs. Comme toi, tu as au moins le travail et 10 000 ans de Nouya. Asia, donne l'argent. Asia. Vraiment? Donne. Comment tu peux être? Dans notre pays ici, là. Et mon frère, attends. Ne fais pas ça. Je suis en train de réfléchir à propos de ton cas. Non, 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 mon cas, ne t'inquiète pas. Hein. Bientôt, je suis colonel des sorciers et ça va passer. Hein. Donc, mais en attendant, donne l'argent. Je vais en te remettre ça pour que tu arrives à joindre les deux bouts. Ok. Et ce que tu vas faire là, Anna, mon mobile, mon yana, ça a tombé. Asia, attends, je vais te. Tu te moques de moi? Non, non, c'est pas de la moquerie. Je vais t'envoyer l'argent. Pour le moment, je vais emmener ma femme à l'hôpital avec. Non, 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 je te suis en même temps pour la main. Ah non, 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 jamais. Voilà, merci d'applaudir nos amis de Jésus Comédie Club qui nous ont fait ce joli tableau autour de la question du jour, le Bénin en emploi. On va finir avec notre invité chef d'entreprise, Amos Amoussé. Vous avez suivi les discussions, les partages d'expérience de ces jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en termes de conseils à l'ensemble de ces autres jeunes qui sont à la maison, qui nous suivent, qui peut-être se posent des questions, se demandent à quel sein se vouer? Qu'est-ce que vous avez envie de leur donner comme conseil? Non, mais déjà, moi, je pense que je dois numériser l'astronomie parce que je pense que c'est une filière qui va marcher. Il faut dire collecter des ressources chez les sorciers. Bref, j'ai un contact utile pour vous. J'ai un grand frère. Oui? Je le salue au passage. Florent et Serge Ressou. On y va. Merci. Il faut dire que je vais donner un conseil qui n'a rien à voir avec l'entreprise, mais avec la personne. Je dis que pour être entrepreneur, c'est la qualité humaine qui prédomine, in fine. Et la qualité la plus importante que je pense qu'il faut développer pour devenir entrepreneur dans le numérique, dans l'agriculture ou dans tout autre secteur, c'est la persévérance. Parce que entreprendre n'est pas facile. Il y a forcément des challenges.
Et tant que vous n'êtes pas persévérant, tant que vous ne vous relevez pas après des échecs, vous ne pouvez pas entreprendre. Il faut dire que dans le secteur du numérique aujourd'hui, au Bénin, il y a un environnement assez favorable parce que nous avons le cadre législatif, on a une loi sur le numérique qui facilite les entreprises dans le numérique. Et ce cadre législatif qui est une barrière à l'entrée est une opportunité parce que quand vous augmentez en compétences, vous pouvez faire du profit, donc vous pouvez apporter de la valeur et donc gagner de l'argent. Mais in fine, que tu sois dans le numérique ou dans l'agro-business, il faut être persévérant. Donc ça, c'est le conseil que je peux donner à mes pairs. Et également, beaucoup d'entreprises dans le numérique font une erreur, selon moi, de lever de fonds. On veut aller lever des fonds dans le financement, dans telle banque, ainsi de suite. La première source de financement, selon moi, c'est la vente. Les entreprises doivent développer donc des solutions qui répondent à un besoin, donc apporter une plus-value sur le marché. Et quand ils vont accroître leur vente, ils peuvent donc s'autofinancer. Et voilà les deux conseils que je peux donner dans le groupe. Merci, Amos, à Vosset. Alors, monsieur le directeur général de l'ANPE, monsieur le coordonnateur du PSI, finalement, est-ce qu'il ne faut pas procéder à une redéfinition du contenu même du concept emploi? Parce que finalement, on retient que le travail, la participation à la vie active n'est pas forcément liée aux qualifications, puisque la vendeuse de tomates au marché a un emploi, elle travaille, n'est-ce pas? Et que faut pas, vous avez dit au début de cette émission qu'à peine 1% des diplômés constituent aujourd'hui les bénévoles qui sont à la recherche de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui n'est pas nécessaire de redéfinir ce concept, monsieur Lokosso? Merci. Bon, je crois qu'il ne nous revient pas à nous, Béninois, 10 millions d'habitants, 112 600 km². On dit à 12 millions, non? Bon, 12 millions par rapport à 7 milliards d'habitants, ouais. Il ne nous revient pas à nous de reconfigurer les concepts. Ouais. Il y a des concepts, des notions qui sont universelles. Ouais. C'est à nous d'en avoir la connotation contextuelle pour savoir ce qu'il faut, ce qu'il nous faut. Alors, par rapport à tout ça, ce n'est pas de redéfinir l'emploi, mais de voir comment lui donner un contenu. Et dans le cas du Bénin, et par rapport aux définitions qu'on avait données plus tôt, c'est l'emploi, c'est la réponse à un besoin économique ou social donné qui nécessite des compétences d'une personne pour pouvoir l'exercer. Alors, au Bénin, quels sont nos besoins? Nous avons des besoins en termes d'alimentation. Nous avons besoin de manger. Ça veut dire que tant que nous allons développer des aptitudes, des compétences pour pouvoir transformer les matières premières en produits finis, on aura de l'emploi dans ce domaine. Après le manger, la deuxième demande qui apparaît, et ça c'est toujours lié à l'activité économique, c'est tout ce qui est lié au cadre de vie. Parce que quand nous prenons le cas du Bénin, ce n'est pas forcément la même chose ailleurs. Tout ce qui est lié à l'asphaltage, ce qui est lié aux différentes constructions, il y a une demande forte en main d'œuvre. Les Bénins aiment construire. Les Bénins aiment construire. Maison, oui. Tous ceux qui voudront donc s'exercer dans ce métier ne manqueront pas de travail. Alors, le sujet qui nous a le plus occupé ce matin, c'est le numérique. Alors, le numérique a l'avantage d'être à la fois un secteur et un support. Un secteur, parce que ceux qui font du numérique même, c'est-à-dire ceux qui sont dans le hard, qui fabriquent les ordinateurs, qui fabriquent les terminaux et des distributeurs, tous ceux-là, ils ont du travail. Mais le plus important, c'est ceux qui sont en mode support. Aujourd'hui, dans tous les domaines, en commençant par la traduction, l'interprétariat, même le journalisme aujourd'hui, vous avez des scripts automatiques que des journalistes viennent finaliser. Donc, dans ce domaine, la demande est extrêmement forte. J'en profite pour dire que par rapport au PSE, il n'y a pas d'opportunité dans le journalisme ici. Hein, vous dites que... Vous dites mal choisi cet exemple. Je n'ai pas dit ça. Donc, quand je prends ce secteur, si nous prenons tout ce qui est lié au cadre de 10 ans, tout ce qui est lié au cadre de vie, c'est-à-dire la santé, l'assainissement et tout le reste, il y a de fortes demandes en cette matière. Si nous prenons dans le domaine de l'éducation, prenons le nombre de personnes qui entrent sur le marché de l'apprentissage, de l'éducation. Est-ce que nous avons même suffisamment d'enseignants? Je passe sous le contrôle du DGNPE avec le programme aspirant. Est-ce que nous avons suffisamment une offre d'éducateurs pour répondre à notre demande en matière d'éducation? Donc, si nous voyons ça, les chantiers sont vastes. À mon avis, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a à agir sur trois leviers. Le premier levier, n'attendons pas toujours l'État. On l'a beau dit, on l'a dit, les familles, les jeunes eux-mêmes, peuvent développer ce que nous appelons les soft skills. L'État les accompagne, ça c'est sûr. Deuxième levier, c'est d'avoir le sens de l'observation. Un emploi ne peut jamais se créer sans observer les besoins qu'il faudra satisfaire dans son environnement.
ce travail-là, ça peut se faire par l'éducation partout. Et le troisième levier, et là je fais souvent mal à mes amis enseignants, c'est de déstructurer, de déprogrammer l'enseignement tel qu'il se fait dans notre pays. Cet enseignement... En quoi faisant ? En faisant quoi ? En inversant les paradigmes. C'est le marché du travail qui détermine les contenus pédagogiques, les contenus d'apprentissage et non l'inverse. Et si l'enseignant, il dit ce qu'il veut, il fait comme, sa thèse, il transforme sa thèse en matière. Vous parlez comme l'autre, il faut cesser le bavardage. Il faut cesser le bavardage, à mon avis. Il faut travailler parce que l'une des causes de l'inadéquation entre l'emploi et la formation, souvent j'entends dire adéquation, formation, emploi. Non, c'est l'inverse. C'est l'emploi qui détermine la formation et non l'inverse. Quand vous prenez ça, l'une des premières causes, ce sont les contenus. En dehors des contenus, vous avez le plateau technique d'apprentissage. Vous voulez former, j'ai vu une sœur ici qui est dans l'agro-industrie. Mais ça fait mal quand vous allez dans des universités, même publiques, où il n'y a même pas de laboratoires expérimentaux, il n'y a même pas ce que nous appelons des machines d'essai, des chantiers écoles. Toutes les universités sérieuses du monde ont des chantiers écoles qui sont rattachés aux différents niveaux d'enseignement. Il y a ce travail à faire et je crois qu'avec tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de réforme de l'enseignement technique, on pourra rêver. Parce que là, ce qui nous gêne, nous, au niveau du PSE, nous avons des demandes d'emploi. Tout à l'heure, M. Avossi, on vient de parler. J'ai peur si je pourrais lui trouver la main d'œuvre dont il aura besoin parce qu'il veut en recruter beaucoup. Oui. Mais ça vous dit que la base, là, doit être restructurée, elle doit être réformée. Je vous remercie. Merci, M. Lokosu. M. le directeur général de l'ANPE. Je veux juste ajouter une petite virgule pour dire que, bon, pas besoin de redéfinir. Mais il faut juste constater que, selon les statistiques, le travail au Bénin, c'est 80% d'emplois indépendants pour 20% de salariés. C'est ça notre situation. Il faut juste le remarquer, c'est le visage que nous avons ça. Et donc, il y a plus d'emplois indépendants, il y a plus d'auto-employeurs que de gens qui sont salariés, qui travaillent pour autrui. Dans ces conditions... Et c'est cela, les hiatus et les dysfonctionnements qu'il y a. Malheureusement, 9 demandeurs d'emploi sur 10 viennent pour demander un emploi salarié. Oui. Ce qui nous renvoie à ce que vient de dire M. Charlemagne, qui est que la formation de base ne commence pas par le marché de l'emploi. C'est-à-dire, avant même de les former à l'université, on va leur dire, là où on veut vous envoyer là, c'est l'auto-emploi qui est privilégié là-bas. C'est ceux qui vont à l'auto-emploi qui sont 80% pour 20% de ceux qui sont salariés. Mais quand on leur donne l'impression que quand ils vont avoir le diplôme, on va les employer, ils tombent dans l'illusion et après ils tombent dans un marché qu'ils ne comprennent pas et se demandent pourquoi ce marché ne les consomme pas. Vous voyez ? Et donc, par rapport à cela, il y a lieu que nous puissions faire une petite réforme pour que tout diplômé, toute personne, que ce soit en philosophie, que ce soit en sciences naturelles, que ce soit en technologie, ait une petite notion d'entrepreneuriat. Monsieur qui a de la fintech a parlé. Voilà, a parlé d'endurance. Je vais dire ça comme ça. De la persévérance. Que ces soft skills-là, nous appelons ça des compétences de vie, qu'on puisse leur déjà donner pour qu'ils soient préparés au marché sur lequel ils vont y aller. C'est très important. Si nous ne faisons pas cela, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une vaste réforme de tout le système qui est en train de se faire. Les enfants, moi, je suis souvent malheureux parce que c'est chez moi qu'ils découvrent qu'ils se sont trompés. Parce que je commence à leur dire que, mais où tu vas là? Il n'y a rien là-bas. Le chose, il dit, et j'ai tendance à voir dans ses yeux, mais ce n'est pas ce que papa m'a dit. Ce n'est pas ce que l'université m'a dit. On m'a dit autre chose et toi, tu viens me dire autre chose. Et puis, ils m'accusent. Ils disent, bon, voilà, quelqu'un qui il profite de l'État, il est en cravate et il ne veut pas que je sois comme lui. Parce que je commence à lui dire, le chemin que tu as pris là, ça ne va pas marcher. Donc, je voudrais dire quand même qu'on y est déjà, mais... Nous avons le devoir d'accompagner cela pour que ça soit ancré, que ce soit les parents, que ce soit la société, que ce soit l'éducation, que ce soit l'État, que nous tous, nous travaillons en tenant compte du besoin de la société, ce que nous appelons le marché de l'emploi, de manière à ce que les jeunes puissent s'épanouir dans ce fleuve-là. Sinon, il y a une dernière chose, qualité dont il a parlé, que je voudrais juste dire, le droit à l'échec. Ce qui tue les diplômés, c'est la peur de l'échec. Et donc, ils n'entreprennent pas.
Est-ce que vous savez une autre statistique que je vais donner, que la plupart de ceux qui créent les entreprises, là, ce n'est pas les gens comme le directeur de FinTech, hein, c'est les ceux qui n'ont pas été à l'école. C'est ceux qui ne sont pas diplômés, qui sont les plus gros employeurs, les petites et moyennes entreprises, là, c'est eux. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'entendent rien de personne. Il n'y a que Dieu et eux. Oui. Et donc le gars se dit, si je ne crée pas, je vais mourir. Donc il crée, il échoue, il recrée, il échoue, il finit par réussir. Alors que le diplômé se dit, mais moi je suis gradé, l'État doit me donner l'emploi. Et puis la société doit me reconnaître. C'est le cas de Amos qui est médecin, qui a une formation. Oui, sa catégorie, ils ne sont pas nombreux. Oui. Sur 100 créateurs d'auto-employeurs, vous allez avoir 80 qui sont sous-diplômés ou pas du tout diplômés, parce qu'ils n'ont aucun complexe par rapport à l'échec. Ouais. Par contre, on a encore l'impression que quand on va à l'école, on a peur d'échouer, on veut toutes les conditions, l'argent, la boutique, le ceci, alors que celui qui n'a rien, lui se jette. Et cet état d'esprit, on doit apprendre cela à l'étudiant, à l'université, voilà, à échouer et à lui dire, tu as le droit d'échouer et de recommencer. Alors, Fayon, enseignant. Si c'est ça, on ne doit plus faire recommencer une classe, parce que si j'échoue, on me fait passer, et après, parce que c'est de là aussi, si j'ai fait 18 ans sur les bancs, et que en classe, je n'ai pas le droit d'échouer, de facto, ça devient une habitude, j'ai peur de l'échec. Donc ça veut dire, comme vous l'avez dit, notre système d'éducation doit être réformé, où on ne doit plus dire, tu as échoué, tu es mauvais, mais tu as échoué, tu dois réapprendre, pour continuer. Donc, tu as des modules à valider tout au long du temps. Il y a une pratique dans nos écoles, à Fafayon. Oui. Les enseignants, souvent, nous demandent carrière envisagée. Et on écrit ça sur un bout de papier. Oui. Vous savez, généralement, douanier, quoi, ministre, président de la République. Mais en fait, c'est fait peut-être pour amuser un peu la galerie, d'accord, pour un moment de détente. Mais ce n'est pas pour former ou sensibiliser les écoliers, les apprenants, sur le cheminement qui peut conduire vers la carrière qu'ils envisagent ou qu'ils ont pu envisager à ce moment-là, Raouf Fayon. On va faire notre dernier tour de plateau, en commençant par vous. Oui. Sur cette proposition, cette suggestion-là, savoir qu'il faut réformer notre système éducatif, changer de paradigme, votre point de vue. Ben, mon point de vue, par rapport aux différentes idées qui ont été proposées sur ce plateau, c'est que je reconnais avec tous les participants avec qui nous avons débattu ici, que notre marché du travail a vraiment des problèmes. Il y a des dysfonctionnements, il y a des distorsions, compte tenu des problèmes que nous avons enregistrés en amont et pour ce qui concerne le fonctionnement de notre système éducatif. Et on ne peut pas préparer un produit pour le marché sans tenir compte des besoins réels du marché. Alors, c'est heureux, la politique nationale de l'emploi a souligné trois défis majeurs à relever. Et parmi ces défis, il y a la difficulté à réformer le système éducatif. Je crois que c'est un élément très important. Et pour relever ce défi, je vois personnellement la nécessité d'aller à deux réformes majeures, en prenant appui sur ce que la politique nationale de l'emploi a appelé la forte volonté politique de l'État. Nous prendrons appui sur la réforme qui nous permettra d'aller à la conversion de tous les diplômés qui sont dans la vague de la main-d'œuvre disponible, mais qui n'est pas sollicité par le marché. La main-d'œuvre qui a un profil dont nous n'avons pas besoin. Il faut aller à la conversion de cette main-d'œuvre en tenant compte des besoins réels du marché. La deuxième réforme, nous devons revoir le fonctionnement de notre système éducatif. Nous devons cesser à penser que il faut continuer à avoir un enseignement général pour certains citoyens, un enseignement technique et professionnel pour d'autres. Nous ne pouvons pas aujourd'hui éduquer, enseigner sans penser à coupler l'enseignement avec une éducation professionnelle. Nous ne pouvons pas donner une éducation professionnelle sans penser à donner un enseignement général. Je crois que l'expérience a été faite
dans certains pays et le Bénin, dans son développement, peut aller à ces réformes pour voir comment régler le problème du chômage, le problème de la pauvreté. Voilà un peu mon point de vue. Merci sur l'ensemble de ce que nous avons dit. Michel Chanon. Oui, je commencerai par dire, le 5 novembre dernier en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 docteurs qui ont marché, qui ont fait la grève. 3000 docteurs, ils sont diplômés docteurs et ils voulaient être recrutés par, ils voulaient devenir des fonctionnaires de l'État. Ils ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et à la limite, le ministre les a rencontrés. Soutenez les thèses, vous êtes dispersés à coups de gaz lacrymogène. le ministre les a rencontrés, les a proposé pour la plupart de devenir enseignants, peut-être dans le secondaire ou ailleurs. On les a ouvert d'autres pistes. Je vois que dans notre pays, de plus en plus, les écoles doctorales se multiplient. Mmh. On a des docteurs en géographie, en sociologie et même en asiatologie. Hein. Oui, récemment. Et c'est là, j'ai des craintes que dans quelques années aussi, on ait autant de docteurs comme ça. Et c'est pourquoi ça a été heureux. J'ai écouté avec plaisir les jeunes ici qui se battent sur, en tant que start-upers. J'ai même une étudiante dedans, tertulienne, que je suis heureux de la voir. Elle avait même déjà fait des diplômes avant que je la retrouve en journalisme en troisième année. C'est déjà heureux. Et j'ai été bien content d'entendre que ce soit DGD, ANP, Yoban ou M. Oui. Lokosu. Je crois qu'il faut changer de vision, comme l'a dit le doyen Afayon tout à l'heure. Et au moins, on a un chef de l'État qui l'a compris. Je l'ai vu en dire que désormais, on va privilégier l'enseignement technique. Parce que l'enseignement général, je ne sais pas comment il faut le faire. Mais il faut quand même privilégier l'enseignement technique par rapport à l'enseignement général. Tout à l'heure, le doyen Afayon disait qu'il faut peut-être trouver le juste milieu. Mais il faut donner la culture d'entreprise, l'auto-entreprise à nos gens. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on change de mentalité. Sinon, je crois que l'avenir, comme l'a dit, comme le montrent les jeunes qui sont ici, là, c'est l'écosystème, c'est le numérique, c'est l'auto-emploi. Voilà ce que je peux dire. Il paraît que les métiers que vont exercer nos enfants d'aujourd'hui, dans 20 ans, ne sont pas encore nés. Ces métiers n'existent pas encore. François Audo, à ton mot de la fin. Oui, je vais ajouter à ce que je viens d'entendre que pendant que l'État décide de privilégier l'enseignement technique, il faudrait que l'État ait un regard aussi sur le privé où on crée des écoles privées dans tous les coins de rue et que les filières dans lesquelles on a constaté que la demande est déjà, saturée, on continue de donner des agréments à des écoles privées. Il faut que l'État regarde de ce côté. Pourquoi? Parce que si on veut que les parents laisse leurs enfants choisir les métiers d'avenir, il faut déjà que les filières qui permettent aux gens d'aller s'engouffrer dans ces murs-là, que ces filières-là commencent par disparaître. Donc si l'État le fait dans le secteur public, il faut que l'État pense au privé aussi et qu'on ne donne plus d'agrément dans certains secteurs. Et par rapport à ces métiers qui vont disparaître, il faut anticiper, évidemment, comme on le dit, en se disant que le numérique, comme nous l'avons compris sur ce plateau, offre des opportunités. Ce n'est pas exercer dans le numérique forcément qui est le problème, mais le numérique apporte un contexte qui vous permet de vous épanouir dans le domaine que vous avez choisi. Moi, personnellement, j'ai constaté ces derniers temps que la BBC a fait une série d'émissions sur les métiers d'aujourd'hui qui vont disparaître. Il y en a une trentaine. Et quand je commence à vous citer certains métiers, vous êtes surpris que je retrouve certains métiers comme un certain nombre de branches de la médecine qui vont disparaître. Et pourtant, on peut dire que la santé, on en a besoin à tout moment. Les métiers d'avocat et autres, je peux partager le document avec un certain nombre de personnes ici. Mais donc, il faudrait qu'on tienne compte de tous ces éléments et que les institutions comme le PSI, l'ANPE et aujourd'hui puissent se rendre compte que leur travail sera un travail de longue haleine parce que pour qu'on puisse aboutir à ce que nous souhaitons tous ici, il faudrait du temps pour convertir les mentalités au niveau des parents, au niveau des apprenants et de tout le monde à la fois. Oui. Merci. Moi, je pense que la première chose qu'il faut tirer de cette émission, c'est que nous devons avoir la mentalité du risque. Vous savez, quand le Béninois a de l'argent, il préfère construire une maison à louer, alors qu'il peut entreprendre, il peut créer une entreprise, créer de l'emploi. Et lorsque le DG intervenait tout à l'heure, il a dit que l'auto-emploi, c'est 80%. Ça veut dire que ces entreprises n'ont pas connu de croissance pour devenir de vraies entreprises capables de recruter pour avoir un secteur privé. Sinon, on ne peut pas se développer tant que le secteur privé n'est pas développé. Il y a, je crois que c'est Singapour, il y a un ministère qui s'occupe du secteur privé du début jusqu'à la fin
et c'est quand même une île très compétitive sur le plan économique. Je parlerai aussi des mentors, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui ont réussi. Il faut qu'ils tendent la main, ils prennent les jeunes, vous avez vu, qu'ils prennent les jeunes hein, pour les former, le DG de... Donc FinTech, Monsieur Avocet l'a dit tout à l'heure, quelqu'un l'a pris, c'est important. Sinon, ce n'est pas nécessaire de faire les erreurs que les autres ont déjà eu à faire dans le passé. Il faut un système pour que des mentors puissent prendre les jeunes entrepreneurs en compte. Lorsque j'écoute ces dames et le DG, je pense qu'il y a une dynamique qui est naissante et que l'État doit accompagner, accompagner avec les technologies. Il faut qu'on ait les technologies, il faut qu'on ait le capital. C'est vrai, le DG Avocé a dit il faut l'autofinancement, mais parfois, on a besoin des institutions financières pour lancer ou pour diversifier ou pour agrandir ce qu'on a commencé. Donc je pense que sur ces questions-là aussi, l'État doit intervenir pour que véritablement ces dynamiques-là puisse donner naissance à des entreprises qui emploient 50 000, 30 000, pourquoi pas demain. Et c'est ça l'avenir de notre pays. Je vais finir en parlant des communes. Vous savez... ça m'aurait étonné. Sinon, on ne comprendrait pas. En tout cas. Non, je pense que la question de l'emploi doit être intégrée au plan de développement au niveau local. Vous savez, les potentialités sont dans les communes. Les opportunités existent dans les communes. Mais il faut, maintenant que les communes seront plus gérées par des secrétaires exécutifs, il faudrait vraiment qu'on puisse valoriser ces potentialités et de sorte qu'on puisse créer de l'emploi. Vous savez, moi j'ai travaillé sur certains dossiers où dans le secteur de l'eau aujourd'hui, grâce à un financement des Néerlandais, la SNV a créé beaucoup d'emplois. La jacinthe d'eau qui dérange aujourd'hui, les gens utilisent ça pour faire des fibres absorbantes, les gens utilisent ça pour faire d'engrais bio, les gens utilisent ça pour faire de l'alimentation pour les poissons. Il y a beaucoup de possibilités dans des filières comme ça, mais c'est au niveau local qu'il faut, si on a l'Agence nationale pour l'emploi, il faut au niveau local aussi des initiatives pour soutenir l'économie. Je crois que l'économie est décentralisée, non? Ils ont des structures dans oui, tout, dans tous les pays. Oui, mais même si c'est décentralisé, c'est toujours national. Moi, je pense qu'il faut un outil pour les collectivités territoriales. Communales. Chaque commune avec son agent. C'est parce que... oui, je vais commencer par partager cette formule américaine qui dit... Les entreprises qui réussissent sont celles qui naissent non pas dans l'idée de faire du profit, mais avec l'ambition de rendre service. On a tellement parlé de l'emploi, du travail qu'aujourd'hui, le vrai problème de notre jeunesse, c'est d'avoir le sentiment qu'il faut gagner de l'argent. Alors que le but ici, c'est de se rendre utile à sa société. Je rappelle, le but, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'être utile à sa société. Il faut qu'on change la façon dont on éduque justement notre jeunesse. Monsieur Michel Tchanou parlait de 3000 docteurs qui ont marché. Moi, je parle de 3000 feignants. Le DG voulait caresser dans le sens du poil en disant il faut que les diplômés commencent à ne plus avoir peur de l'échec. Je dis quand même, être diplômé, avoir un doctorat, c'est avoir validé un certain nombre d'acquis de connaissances. On ne peut pas se mettre dans la rue. Pour réclamer du travail, c'est une aberration de mon point de vue. Donc, pour les jeunes qui nous écoutent, je finis là-dessus parce qu'on en a tellement parlé. Oui. Je veux rappeler que le numérique est aujourd'hui une niche d'emploi. Moi, par exemple, je ne demande pas qu'on m'aide, qu'on me donne du travail. Je veux juste qu'on me facilite l'accès à Internet pour que j'aille sur YouTube suivre des formations. C'est tout ce que je demande. Il ne s'agit pas d'aller voir forcément Move MTN. On peut déjà commencer dans nos universités à rendre, la connexion gratuite. Ouais. C'est hyper important et je voulais finir là-dessus. Le numérique, c'est une niche qui ne nous donne plus aujourd'hui le droit de dire que nous sommes des chômeurs. Merci, Collins Yann. Merci.
Et pour finir, on va s'offrir un moment de détente avec notre dernier invité de cette émission. Il s'agit de Thibault le magicien. Vous savez, c'est aussi un chef d'entreprise. On en parlera tout à l'heure. Thibault le magicien, bonsoir. Bienvenue sur le Grand Canal. Et bon retour au pays. Ça se passe comment? Ah, c'est comment? Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mais cher ami, tu es au pays. Je te croyais au Rwanda. Il y a quelques jours. Alors, j'ai ma sacoche. C'est une sacoche magique. Et à l'intérieur, il y a tellement de choses qui peuvent sortir. Est-ce que je suis autorisé à regarder à l'intérieur? Vous allez voir tout à l'heure. Attention. C'est juste un bambou qui traîne avec moi comme ma canne. Donc vous voyez, partout où je vais, je laisse sur moi, ça porte bonheur. Je crois que le bonheur sera partagé. Bon, je suis sur ce plateau aujourd'hui parce que je vais vous tromper. Mais parce qu'on m'appelle trompeur de vigilance, c'est ça mon entreprise. Je trompe la vigilance des gens. Donc je suis un sorcier en matière. Ah, décidément, hein. J'ai pas encore mon doctorat, mais je suis sur le chemin. Alors, ici, j'ai envie de faire un tour où j'aurai les yeux bandés. D'accord? Je vais vous demander de vérifier si on voit à travers. D'accord, cher monsieur? Vous allez mettre ça. Et si vous voyez à travers, vous faites ça. Si vous ne voyez pas à travers, vous allez faire ça. Essayez, on va voir. Enlevez vos lunettes, s'il vous plaît. Non, c'est juste ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, vous ne voyez rien. Vous confirmez que... Voilà. Donc, vérifiez s'il y a, par exemple, des boutons qui peuvent faire voir. Parce que parfois, les magiciens, ils ont tellement de choses truquées dans leur sacoche. Donc, c'est noir. Mais, au moins, il manque les verres pour bien... Donc, je place mon truc. Et là, je vais vous faire un tour avec des cartes où je vais raconter une histoire. Je vais raconter une histoire et ça se passe que avec des cartes. Alors, je vais inviter sur le plateau qui veut être mon assistant ou assistante. Monsieur Amour, venez s'il vous plaît, monsieur Avocet. Okay. Voilà, ici j'ai un jeu de cartes que je montre à tout le monde. C'est un jeu de cartes totalement normal. Mais mettez-vous ici si vous voulez. Voilà, c'est un jeu de cartes que je montre à tout le monde. En Afrique, on mélange comme ça. En Afrique, on mélange comme ça. En Europe, on mélange comme ça, pour vous montrer que c'est vraiment bien mélangé. Et en Amérique, ils mélangent comme ça. Je vais vous raconter l'histoire de quatre continents qui ont vécu les deux grandes guerres mondiales. Nous avons l'Amérique, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Ça, c'est les empereurs de chaque continent. Sous chaque empire, on a toujours un grand royaume. Sous chaque empire, on a toujours un grand royaume. Donc, au Bénin, on avait le roi Béhanzin, le royaume de Dahomey et tout. Donc, nous avons le roi d'Amérique, le roi d'Europe, le roi d'Afrique et le roi d'Asie. Quand un roi se marie, il se marie à une reine. On est d'accord? Quand un roi se marie, il se marie à une reine. Donc, nous avons la reine d'Amérique, la reine d'Europe, la reine d'Afrique et la reine d'Asie. Quand un roi et une reine font des enfants, ils font des princes. Quand un roi et une reine font des enfants, ils font des princes. Donc ici, nous avons le prince d'Amérique, le prince d'Europe, le prince d'Afrique et le prince d'Asie. Wow. Un jour... Non, je n'ai même pas encore commencé le tour. Ça se passe comment? Ouais. Un jour, ils ont décidé d'organiser une réunion pour amener la paix. Parce que première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, il y avait la famine totale sur terre. Alors, monsieur Avocet, je vais vous demander de les réunir, de les retourner. Vas-y, allez-y comme ça. Voilà, retournez-les toutes comme ça. Un jour, ils ont décidé d'organiser une réunion parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver à manger. Et la réunion s'est organisée au Bénin. Donc, je vais vous en demander même d'en faire un tas. Vous pouvez prendre tout ça, mettre ça ou ça, sur ça ou ça, sur ça, comme vous voulez. Faites-en un tas. Voilà. Mais au cours de la réunion, il fallait quelqu'un pour diriger. L'Amérique veut diriger, l'Afrique veut diriger, l'Europe veut diriger, l'Asie veut diriger. Et là, ils se chamaillent. Quand je dis se chamaillent, vous coupez en deux. Ils se chamaillent. Allez-y, coupez en deux.
Ils se chamaillent. Allez-y, dès que vous êtes fatigué de leur chamaillement, vous me dites stop. Ils se chamaillent. Stop. C'est bon? Alors, chacun décida de retourner chez lui à la maison. Vous allez prendre tout ça et distribuer 1, 2, 3, 4, fermez. Allez-y, distribuez 1, 2, 3, 4. Par l'ordre où c'est arrivé. Allez-y, jusqu'à la fin. Chacun décida de retourner chez lui parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Donc, ça ne sert à rien de rester dans une réunion où on ne se comprend pas. Mais malheureusement pour eux, au Bénin, dans le Dahomey, sur la terre de Béanzin, de Dada Kaba, de Koburu à Kakpaki et tout ça, quand tu organises une réunion, tu ne trouves pas la solution, tu ne peux pas t'enfuir. Si vous regardez, tous les empereurs se sont retrouvés ensemble. Tous les rois se sont retrouvés ensemble. Toutes les dames se sont retrouvées ensemble et tous les princes se sont retrouvés ensemble. Mais ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Alors ils se sont dit, peut-être parce que nous sommes trop nombreux, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Ils ont décidé de renvoyer tout ceci à la maison et de laisser que les empereurs. Alors monsieur Avocet, vous allez les mélanger et les redistribuer fermés. Et monsieur, vous allez tout mélanger cette fois-ci. Parce que moi, je ne suis qu'un trompeur de vigilance. Et mon objectif, c'est de ne pas toucher les quatre. C'est vous qui êtes les magiciens et qui faites les tours. Alors distribuez les fermés. Chaque empereur avait peur de rester tout seul dans cette réunion. Alors, ils ont décidé d'avoir trois gars du corps chacun. Donc, vous envoyez trois gars du corps ici, trois gars du corps là, trois gars du corps là, trois gars du corps là. Vous pouvez prendre du milieu, du haut, du bas, comme vous voulez. Hein. Vous pouvez prendre du milieu, du haut, du bas, comme vous voulez. C'est bon? Alors, monsieur Avocet, vous allez devoir les réunir de nouveau. Allez-y, faites-en un tas. Oui, comme tout à l'heure. Oui, déposez dessus. Allez-y. Allez-y. Faites-en un tas. Voilà. De nouveau, ils se sont réunis. Mais pour que ça puisse marcher, il faut quelqu'un pour diriger la réunion. Le même problème se pose, même s'ils sont quatre. Et là, ils se chamaillent. Coupez de nouveau. Ils se chamaillent. Et quand vous êtes fatigué, vous allez me dire, stop, on a dit. Ils se chamaillent. Allez-y. Dès que vous êtes fatigué, vous me dites stop. C'est bon? Oui. Vous avez fini? Oui. Alors, chacun décida de nouveau de retourner chez lui à la maison. Redistribuer. Et comme vous le voyez, moi, je ne touche pas au cadre. Allez-y, jusqu'à la fin. C'est lui qui fait tout. Chacun décida de retourner chez lui à la maison. Mais malheureusement pour eux, au Bénin, quand tu organises une réunion et que tu ne trouves pas la solution, tu ne peux pas t'enfuir. Je vais vous demander, monsieur Dossa, de toucher un des jeux. Touchez-en un. Un lot? Oui, un lot. Ça. Alors, on renvoya tout ceci à la maison. Le truc est où? C'est là? Voilà. Donnez-moi, touchez-en un, si vous voulez. Qui d'autre? Envoyez juste vos mains. Ça, on renvoya tout ceci à la maison. Alors, monsieur Avocet, vu que c'est vous qui dirigez cette réunion, votre choix sera le choix du peuple. S'il vous plaît, faites un choix pour le peuple. S'il vous plaît, ça. Alors, je n'ai pas compris pourquoi vous avez touché toutes ces quatre et que vous avez laissé ça. Ce n'est pas moi qui ai demandé, ce n'est pas moi qui ai décidé. Mais il se fait que quand tu organises une réunion au Bénin, sur la terre de Dada Ouigbadia, et que tu ne trouves pas la solution, même le président Talon ne peut pas te laisser partir. Si vous regardez, les quatre empereurs sont toujours ensemble. Bravo! Dans l'histoire, je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple béninois s'est fâché. On a dit quand même, on est dans un pays de vaudons. On est dans un pays où on est puissant. Les chrétiens. Ça, c'est après colonisation. Sinon, avant, on n'avait pas tout ça. Tu ne peux pas savoir. Et tous les chrétiens sont d'abord vaudouisants dans ce pays. Vrai. Ah oui, si vous quittez l'église, s'il y a une prière dans vos maisons, chacun y va. On sait qui va se laver chez papa la nuit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris les quatre empereurs. On les a cachés dans des couvents vaudous, on les a cachés sous des grottes, on ne les trouvait plus. La terre entière est tombée en panique. Et là, on a dit, mais qui est-ce qui a eu l'idée de cette réunion? Et tout le monde a tourné la tête vers M. Avocet. La sentence est tombée. M. Avocet, si vous ne nous trouvez pas les quatre empereurs, c'est la potence. Et il s'est rendu compte qu'il avait un ami magicien quelque part dans le monde. Qui s'appelle Thibaut. Il fit appel au trompeur de vigilance et je dis, cher ami, le peuple béninois, quand ils sont unis, tu ne peux pas avoir la solution. Divise-les en deux.
ce qu'il fit avec bravoure. Divise ceci en deux. Et divise ceci en deux. Et quand il a fait ça, on a eu les premières informations. Ce sont les trois gars du corps que le tonton a envoyé tout à l'heure. Monsieur Afagnon a envoyé tout à l'heure, qui se sont fait payer par qui on les souhaite pour kidnapper les quatre empereurs. Maintenant, les trois gars du corps, ils sont au-dessus de chaque peuple. Donc, vous prenez tout ça dans la main et vous envoyez les trois premiers quatre en bas. Voilà, il faut les envoyer en bas. Maintenant, vous envoyez un espion là où vous voulez. Un espion là, un espion là, un espion là. Oui, oui, de dessus. Voilà, vous envoyez comme vous voulez. Voilà, déposer. On fait la même chose ici. Les trois en haut, on les envoie en bas. Et vous envoyez un espion comme vous voulez. Vous pouvez commencer par le milieu, par là, comme vous voulez. Vous faites la même chose avec ceux-là. Les trois en haut, vous les envoyez en bas. Et vous envoyez un espion partout. Et vous faites maintenant la même chose là-bas. Et quand il a fait ça, chaque empereur a retrouvé son continent respectif. Mais vu qu'ils n'ont pas trouvé de solution, c'est pourquoi on a encore les voitures piégées par là, les coups d'État par ci, les gilets jaunes par là, le Covid par là. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution. Mais on n'a plus de guerre mondiale. Chaque empereur et chaque peuple, chaque continent se reconstitue en lui et gère ses problèmes à l'interne. Si vous ouvrez ici, vous verrez l'empereur. Ouvrez la première carte. Voilà, allez-y. Allez-y. Ça se passe comment? Merci beaucoup, Jocelyn. Doucement, Jocelyn. Et ça, c'est mon entreprise. Voilà. Attention, avec vos cadres. Une grosse entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thibault. Bon, merci. Mais on n'a pas respecté les cartes avant. Hein, donc. Il faut qu'elle voit avec son scepticisme, Saint Thomas. Thibault, je vous disais, félicitations. C'est un chef d'entreprise. C'est vraiment bien fait. Qui opère dans le tourisme. Et comme vous avez vu, c'est un magicien. Oui, en plus, en effet. Vivatour, c'est bien son entreprise. Il vient de rentrer au pays après un séjour de plusieurs mois en Europe. Thibault, bonne arrivée. Merci. Et merci de nous avoir fait ce tour de magie. C'est très intéressant. En tout cas, le public a apprécié. De même que M. Affarion. Qui a expérimenté. Pas encore. Alors, parlez-nous de vous, Thibault. Quelles sont vos actualités? Bon, actuellement, je suis au pays parce que souvent, je fais 6 mois de tournée en Europe et je reviens 6 mois en Afrique. Parce que comme vous fuyez l'hiver, mon objectif, de la vérité. Voilà, je fuis l'hiver et aussi après mes analyses, je n'ai connu aucun Africain ou aucun Béninois qui est allé résider ou vivre définitivement en Europe et qui s'est fait de l'argent. Tu les croises dans les trains, dans les rues là-bas, ils sont pauvres. Alors que nos autres qui sont ici, c'est ceux qui ont le pouvoir d'achat, c'est ceux qui ont la monnaie et qui peuvent voyager, aller n'importe où. Donc mon objectif n'est pas de rester en Europe, même si j'ai la nationalité, tout le passeport qui va avec, mais c'est de vivre au Bénin et d'avoir le maximum pour pouvoir aider d'autres personnes à évoluer. Donc je viens faire 6 mois ici et pendant 6 mois, j'essaie de chercher de l'argent là-bas avec mes contrats. Et là, cette fois-ci, je... Vous avez beaucoup d'argent. Est-ce qu'on dit jamais quand on a beaucoup d'argent? Même si tu demandes à Zoukebe, il n'en a jamais beaucoup. Ah oui. Alors Thibault, quel est l'agenda de Thibault? Alors là, je pars pour le Burkina. Je pars pour le Burkina. Je suis sur un festival là-bas qui démarre le 24 au 28 novembre. Donc j'irai avec mes assistants m'amuser un peu avant de revenir au pays pour tous les événements de fin d'année sur lesquels. Et Thibault fait aussi de la formation? Il forme les jeunes gens. Oui, tout à fait, si vous voulez. Oui, j'ai mis sur pied. L'école existait déjà alors. Si. C'est, en fait, ce n'est pas une école avec des murs, mais j'ai créé des coffrets de magie qui permet à tout enfant de 5 à 17 ans ou tout adulte d'apprendre la magie. Voilà. Okay. Et il y a 15 tours, 16 tours de magie dedans où vous pouvez animer déjà les anniversaires à la maison, vu que je suis pratiquement le seul magicien du continent. Et que je ne suis jamais là. Donc, j'ai mis ce module-là sur pied qui permet à tout le monde d'apprendre. Tout à l'heure, j'ai suivi un peu le débat. Oui. Et il y a un truc qui me touche beaucoup au Bénin. C'est la plupart des jeunes qui veulent avancer. Moi-même, j'ai eu à faire cette erreur. On commence toujours par créer une association, une ONG. Mais toi-même, tu es un cas social. Comment tu peux aider d'autres personnes? C'est vrai. Même si en cas social. Il y a beaucoup d'initiatives qui ont réussi, il y a des ONG qui ont réussi. Mon frère, si tu as ONG que tu es riche, ça veut dire que tu es un voleur. Ah ouais? Ah oui. Comment? Quand on dit
association à but non lucratif, tu ne peux pas te faire de l'argent dedans. C'est du bénévolat que tu dois faire, c'est d'ici, c'est de ça. Donc, si toi-même, tu n'as pas une société qui te rapporte de l'argent, parce que c'est celui qui est à l'aise qui peut aider d'autres. Mm-hmm, toi-même, tu as besoin d'aide. Maintenant, tu écris des dossiers, tu vas déranger tout le monde parce que tu connais le directeur de l'APN, tu connais telle personne. Et là, tu vas. J'en suis sûr que s'il va parler, le nombre de dossiers qu'il reçoit, à soutenez-moi pour tel festival, soutenez-moi pour ci, c'est énorme. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, créer d'abord une société, une entreprise. Et ne pas avoir peur d'échouer. D'échouer, exactement. Ah. Merci beaucoup, Thibault. Merci, Thibault, le magicien. Merci d'être passé sur ce plateau, nous offrir ce tour de magie. Merci, chers amis. Espère, François Houdou, Franck Canevaux, Michel Tiano, Raoul Fafayon, Colissiane. Merci. On n'a pas pu avoir Dr Karen Gayek-Bedi aujourd'hui. En tout cas, on a assuré le service en son absence. Merci, M. Avosset, M. Lokosu, M. Amangbedi, chers amis, Mme Arroyon, excusez-moi, Madame Romaine, merci, Tatuli, merci beaucoup, merci d'être passée sur ce plateau. Elle a, j'espère qu'on va manger gratuitement aujourd'hui les mois de blessing. En tout cas, je vous recommande. Je vous recommande ces places. Je voulais laisser un tour sur elle. C'est maintenant, je vais carrément laisser ma place à Thibault pour qu'on fasse l'émission. Oui, quoi. Non, j'avais prévu enlever la tête de quelqu'un sur le plateau. Elles ont toutes peur. Non, c'est pas grave. Et Diara Moussa Soumanou qui. Et avec nous, avec les aspirants de Masterclass MC International. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'oubliais mes techniciens. Madame Adjouvi, monsieur se cache. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui sont dans les coulisses et qui nous soutiennent. Voilà. Justin, William, au carré, hein, de William en coulisses. Jonas, Jocelyn, Clément. Merci et à nos amis de Jésus Comedy Club à Belle et Pôle du Cap. Sans oublier Belly. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. On se retrouve jeudi en 8. Au revoir.